Est-ce que le chat va bien? Est-ce que vous allez bien dans le chat? Ça fait longtemps, putain! Ça fait combien de temps? Ça fait une semaine? Oh les gars, vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué. Est-ce que tout le monde va bien dans le chat? Est-ce que le chat va bien? Est-ce que tout le monde a passé une bonne journée? Est-ce que les vacances se déroulent bien? Eh, je suis parti longtemps les gars, je suis parti au ski. J'espère que vous m'avez pas oublié. T'as toujours cette peur quand tu pars en vacances que tu reviens et y a plus personne, mais... Est-ce que je vois le chat est chaud? Est-ce que je vois tout le monde est bien? Merci beaucoup de ceux qui sont dans le chat, qui sont déjà là, qui mettent le pouce bleu, qui s'abonnent, qui mettent la cloche. Est-ce que la vidéo de samedi vous a plu, le chat? Yo tout le monde! Yo Paris-Roubaix, on n'est pas ensemble. Les gars, faut qu'on parle. Faut qu'on parle de choses sérieuses. Les BG, demain, j'ai un gros tournage. Pas pour ma chaîne. J'ai un gros tournage demain. Et après-demain, je vais affronter l'enfer. Donc, merci beaucoup Tarek pour ta donation, merci beaucoup. Après demain, je vais faire le plus gros défi que j'ai jamais fait dans toute ma vie. Au-delà de tous les défis un peu foufou que j'ai pu faire, je vais devoir grimper sur un vélo et faire 320 bornes en vélo avec Domingo. Merci beaucoup Jonas. Je pars de Paris Jonas, du Paris-Roubaix, je pars de Paris et je vais à Roubaix. Ils sont allés faire le chemin en voiture pour voir par où j'allais passer en vélo. Comment vous dire qu'en voiture ils ont pris 10 heures. Donc ils ont pris 10 heures à rouler dans les chemins où je vais rouler en vélo. Donc dans 2 jours je me casse. Je prends mon vélo et je vais devoir aller à Roubaix en vélo. Bien sûr il y aura une vidéo qui sortira peut-être une semaine et demie après. Mais ça va être très dur. À votre avis, est-ce que je vais y arriver dans le chat? Il va me falloir de la force. Merci beaucoup Maeva, ça va et toi Crouton Fadi? Ça va être dur, 320 bornes en vélo. Ça va prendre je pense 20 heures. Est-ce que je vais avoir les reins solides? Est-ce que je vais avoir les cuisses solides? J'aurai besoin de vous, j'aurai besoin de votre force sur Insta, parce que ça va être très dur. Je vous dirai pas si j'ai réussi ou pas, je vous dirai pas les gars, ça sera surprise dans la vidéo qui sortira une semaine et demie après. Mais je vous dirai pas avant la vidéo, vous verrez dans la vidéo si je réussis ou pas. Je sais même pas si je vais réussir, mais comme on dit, l'esprit shonen, tout le monde me dit que c'est impossible. Je vais tout donner pour y arriver. Ça va et toi Mika, merci beaucoup, c'est quand tu viens à la Réunion, t'inquiète, c'est cette année, merci Onyx. Merci beaucoup Ariane, merci beaucoup, merci Aden, merci Nathan, merci beaucoup. Bah oui t'es le boss, tu vas y arriver, merci Jeanne pour ta donation, ça fait plaisir. Bonne chance, t'y arriveras pas. Ça va être dur. Il y aura une vidéo, je vous tourne une vidéo pour Paris-Roubaix. Je vous la posterai sur ma chaîne, je compte sur vous pour la regarder quand elle sortira. En tout cas, j'ai mis un dispositif en place pour qu'elle soit d'art à regarder. J'ai pris plein de gens qui vont filmer pour tout le trajet et tout. Donc ça va être cool. Et pour tous ceux qui habitent à Roubaix, je mettrai une story à l'heure où j'arriverai en vélo, si j'y arrive. Et vous pourrez tous venir au stade pour m'accueillir, tous les Roubaisiens, vous pourrez venir m'accueillir et vous passerez dans la vidéo. Voilà, voilà. J'espère que je vais y arriver. C'est après-demain. Je suis juste allé à Webedia en vélo, mais sinon j'ai pas monté. Je suis pas monté sur un vélo, ça fait 10 ans. Donc voilà, bonne chance à moi. Ça fait du bien de te revoir. Moi aussi les gars, ça me fait plaisir. Putain. Salut le boss, bonne chance pour Paris-Roubaix. Merci Sabrina, ça fait plaisir. Ça va être chaud, mais on va tout donner. On va tout donner. Là, on va se faire une petite session Fortnite tranquillement. Merci lui pour ton sub. T'es le boss. Force à toi pour les vols. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Non, je prends pas de stagiaire, Clexo. Merci beaucoup mon ref. Est-ce que tu vis en Guadeloupe? Ah, c'est pas prévu pour l'instant, Dorlis. Merci pour ton sub. Fais un live Paris-Roubaix. Non, ça sera en vidéo les gars. Pas de live, ça sera en vidéo. Je vous ferai des petites stories si vous voulez, mais voilà. C'est quoi le concept du live? Bah là le live les gars, c'est on va sur Fortnite. Pff, voilà, et on papote hein, je réponds à vos questions dans le chat comme d'hab. Esprit Shonen, tu parles, je te donne pas 24 heures. Kylian, tu penses que j'arriverai pas à le faire? Tu vas voir toi, Esprit Shonen, il bat tout. Rien n'est impossible avec l'Esprit Shonen. Merci Marine. Pense à ce que McFly et Kalito ont fait, tu seras capable. C'est vrai que McFly et Kalito ont fait un truc de ouf, mais ils sont entraînés. Même avec l'entraînement, c'est dur. Dis-toi moi Paris-Roubaix, je suis pas monté sur le vélo hein. Frérot, je suis monté une fois sur le vélo. Ah frérot, ça va être quelque chose hein. Alors attendez, ah ouais putain, j'ai pas... Faut que je remette tout en mode comme ça là. Attendez 2 secondes les gars. Lower social, c'est ça. Attendez, faut que j'enlève ça là. Voilà, je vire ça. Attendez, je mets le jeu. Parce que la dernière fois on avait joué à Clash Royale. D'ailleurs les gars, vous êtes chaud pour le tournoi édition 2 Clash Royale?
Est-ce que vous avez la date? On va voir ceux qui sont à l'affût là. Attendez, vous voyez pas ma tête normalement. Les gars, bientôt c'est le deuxième édition de mon tournoi Clash Royale. Hein. J'ai hâte. Hein. Alors hop. Comme vous avez pu le voir, les gars, GMK il va faire partie du tournoi. Attends, j'arrive pas à caler mon truc. Voilà. Hop, je mets ça là. Parfait. Ok, parfait. Parfait, 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 parfait. Je vais te dire, tu vois, le 10 mars. Je vais à Paris et moi je suis un passionné d'audiovisuel. J'aimerais beaucoup venir dans les backstage du tournoi. Merci Jonas. Malheureusement, il y a déjà des gens qui ont gagné le tournoi pour venir dans les backstage. Donc je peux pas. Il y a déjà trop de monde dans les backstage. Dans les backstage, ça va déjà être le bordel. Le 10 mars, ouais les gars, 10 mars, tournoi Clash Royale. Les gars, ça va être quelque chose. Hein. Ça va être quelque chose, c'est trop hâte. On va être 16 gros. Ça risque d'être un peu long. Le tournoi va durer 3h30, 4h. Donc il va falloir avoir les reins solides. Je vous le dis. T'es un exemple. Merci Younes, c'est toi le crack. Merci Buné pour ta donnée. Mon gars, va falloir pédaler fort. Ah, tu connais, on va devoir utiliser les pédales. C'est vrai, je peux pas y croire que tu live le jour de mon anniversaire. Bon anniversaire Nico, un max de bon anniversaire Nico dans le chat. Merci mon ref. Merci à ceux qui mettent des pouces bleus, qui s'abonnent, ça fait plaisir. T'as retravaillé ta position sur ton vélo comme je t'ai dit. Ouais, t'inquiète. T'inquiète, je vais gérer. Je vais gérer. T'en fais pas. Merde, j'entends pas le son de mon jeu. C'est normal ou pas? Le cafard miteux paye son impôt. Merci Clément, merci mon ref. Clément qui paye ses impôts. Ah, allô. Ah ok c'est bon, j'attends le jeu. Parfait, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Fortnite les gars, ils ont fait des mises à jour ou pas? Non en vrai les gars ça va être cool parce que là on a un bon planning, là on a Paris-Roubaix. Malheureusement je pourrais pas live du coup, je pense que je vais avoir les jambes éclatées. Donc vous allez pas me voir jusque pendant une semaine, vous me voyez plus. Voilà Paris-Roubaix, tournoi Clash Royale le 10 mars. Le 19 mars je crois la vidéo Paris-Roubaix. Et on est bien, il n'y aura pas de vidéo samedi prochain malheureusement. Comme j'ai Paris-Roubaix, j'ai pas le temps de faire une vidéo. Frère, t'as aucune endurance pour du cyclisme, sois réaliste. Kylian, je retiens ton message. Merci mon ref. Kylian, retiens bien, quand j'aurai fini Paris-Roubaix, je voudrais voir ton message. À quand Granny partie 2? Faudra que je le fasse Jordan, j'ai pas oublié. Let's go les retours de live, merci Anya. En fait les gars, c'est un retour, mais c'est un retour plus que rapide. Parce que là je reviens, mais vous me voyez plus pendant une semaine. Donc c'est le live là, profitez-en. Parce que pendant une semaine je suis plus là. En plus là après je vais regarder Backnord. Quelqu'un connaît Backnord, c'est bien ou pas? Je vais le regarder après le live là. Merci Mika pour ta donate. Je regarderai mon ref, c'est top 1 aujourd'hui Nico. Ce soir c'est top 1, on va essayer les gars. Je vous promets rien mais on va essayer de se faire un petit top 1. Ça fait longtemps, ça fait plaisir. Ah les gars, 4,9, on y est presque les gars. On n'est pas loin des 5 millions. On n'est pas loin des 5 millions. Merci à tous ceux qui s'abonnent les gars. Et c'est vrai que je vais faire un live pour les 5 millions. On se fait un petit live 24h ou pas? Le chat. Live 24h pour les 5 millions d'abonnés ou pas? Ouf. Je pense qu'il y a moyen que pour les 5 millions d'abonnés, on claque un petit live 24h. Est-ce que vous êtes chaud? On se fait ça. Petit live 24h pour les 5 millions. Je dis pas non. Personnellement, ça me chauffe un peu là. Là, je vais dans un petit spawn tranquille. Comme ça, on papote tous ensemble là. Mais ouais, pour les lives, ouais, pour les 5 millions, je suis chaud de passer les 5 millions en live. On se fait un live 24h. Hein. En vrai, j'attends quoi? J'attends d'avoir 4,94. On fait ça? Dès que je suis à 4,94. Oh, c'est quoi ça? En arc enflammé? 4,94, on se fait un live 24h ou pas, les gars? Non, les gars, j'ai déjà fait 48, mais 72, vous êtes malade. Je le fais pas, 72. 72, j'ai clairement pas les couilles, les gars. Après, tous les challenges, les... Non, non, en vrai, les gars, je vais être sérieux avec vous. 48 heures, je l'avais... J'avais vraiment mal vécu le fait d'être 48 heures dans mon studio. En fait, mon crâne, il a explosé, les gars. Imaginez mon crâne, 48 heures, c'était trop dur, en fait. Je l'ai fait, mais 48 heures, ça va être dur de réussir. Je pense qu'on va faire 24 heures, les gars. C'est déjà bien. Tu vas prendre une équipe de tournage pour les... deux... Ouais, pour l'équipe... Ouais, illusion, pour Paris-Roubaix, j'aurai une équipe de tournage. J'aurai des drones FPV qui va me suivre, j'aurai un van qui va me suivre, qui va me filmer. Vous inquiétez pas, la vidéo de Paris-Roubaix va être incroyable. Sur la dernière vidéo, à Bouzy, il y a la boiserie, va voir. Vas-y, j'irai voir mon ref. 24h c'est bien. Non, en vrai, 24h c'est parfait, les gars. 24h, on dort en live. Petit live 24h, on détend. C'est parfait, ça suffit. En plus, ce qu'on va faire, c'est 24h, mais 24h où il y a des invités. Pendant 24h, c'est ça s'arrête pas. 24h non-stop, t'as vu? Wesh, t'es à Roubaix quand? Normalement, milieu de semaine, vers jeudi ou mercredi, j'arriverai à Roubaix. Hein. Merci Dark, si tu fais top 1, je t'offre 160 euros. Merci Dark, t'inquiète, garde ta thune, mon ref. Non, en vrai, live 24h où j'invite plein de gens et on fait plein de jeux, en vrai, ça va le faire.
Putain, 5 millions d'abonnés, les gars. 5 millions. J'espère on les a. Dites à toute votre famille de s'abonner maintenant. Je lancerai le live 24h à... Est-ce que vous pensez... Vous pensez à combien je lance? Je pense à... À 4,94, c'est bien, non? Le but, c'est de faire 60 000 journées en 24... 60 000 abonnés en 24 heures. Et comme ça, après, on fait péter le feu d'artifice dans le studio dès qu'on a les 5 millions. Est-ce qu'on fait ça? Ah là là. J'invite des gens pendant le live. On fait des trucs, on s'occupe. En vrai, moi, je suis chaud, hein, les BG. Hein. Ouah, tu connais. De toute façon, c'est sûr, il y aura un live 24 heures. C'est sûr de chez sûr. On n'est pas là pour chômer, nous. On n'est pas là pour rigoler. Imagine, on n'est pas là. Non, on est pas. Ouais, je sais pas ça. Je pensais que je pouvais rentrer. Non, on les passera jamais là, les gars. Non, 4,95, vous pensez? Merci, Boruto Z. Merci pour ta donate. Vas-y, 4,95, je lance le live. 4,95, on se fait un live 24h, les gars. Je sais pas quand, mais on va se le faire. On se fera ça un week-end. Parce que vous allez avoir cours. Donc on fera ça un week-end. Oh là là, ça va être stylé. Et comme ça, dans le live 24h, on fera du granny avec Squeezie le soir. Tu vois, je lui dirai, ouais, est-ce que t'es là? Comme ça, on finira granny le soir. Et on se fera plein de trucs la journée. On va essayer de faire des trucs IRL et tout. Ouais, on va faire ça, je pense. Je pense qu'on va se faire ça. Un week-end, là, on va se faire ça. Live 24h. Là, malheureusement, samedi prochain, les gars, je sors pas de vidéo. Je suis désolé, les vidéos, les gars, en ce moment, je suis irrégulier. J'espère que ça vous casse pas les couilles, les gars. Que je sois un peu irrégulier en vidéo. Malheureusement, les gars, j'ai du mal à m'organiser. Parce que j'essaye de faire des vidéos qui changent de d'habitude, tu vois. J'essaye de faire... J'essaye de mettre en place des nouveaux trucs dans mes vidéos, tu vois. Par exemple, le prank avec les policiers. Je sais pas si vous avez vu le 24 en voiture. Bah, tu vois, c'est des petits trucs comme ça. J'essaye de réfléchir à des trucs pour que ça soit mieux. Et du coup, malheureusement, bah... Je fais plus de taf sur une vidéo que l'autre. Et du coup, j'ai pas le temps de faire plus de vidéos. Merci Dabalto. J'espère que tu réussiras ton défi. Bah, merci pour ton sub et merci beaucoup pour le soutien, Crouton. Net! Merci Thibaut. T'es un crack. Du coup, ouais, c'est vrai que des fois, il y a des samedis où je sors pas de vidéo. Je suis désolé en vrai, les gars. Je suis un bouffon. Voilà, je suis un chômeur. Non, en vrai, je chôme pas, les gars. J'essaye de travailler pour faire des bonnes vidéos. Malheureusement, il y a des fois où je peux pas sortir de vidéo. Et samedi, là, je peux pas sortir de vidéo ce samedi. Parce qu'à Paris-Roubaix et tout, j'ai pas le temps. Sachant que, après, Paris-Roubaix, je dois aller survivre sur une île déserte. Parce que, les gars, les défis du Z-Event, je dois les faire cette année. Là, ça va être le premier que je fais. Non, ou je sais plus le combienième. Mais il y a Paris-Roubaix. Ensuite, il y a survivre 24 heures sur une île déserte. Il y a aller dans un pays et rentrer chez moi sans aide. Donc ça veut dire que je dois aller par exemple j'en sais rien moi. Je dois aller en Thaïlande et je dois revenir je me débrouille pour revenir. Donc voilà, il y a ça frère. En vrai de vrai, il y a pas mal de trucs les gars. Bah dis pas tu sors des vidéos tous les samedis. Bah j'essaye de sortir tous les samedis. Mais c'est compliqué de sortir tous les samedis. Enfin, en tout cas, avant, c'était moins compliqué, parce que, bon, bah... Voilà, mais maintenant, j'ai plus du mal, parce que j'essaie de faire d'autres trucs, quoi, différents. Mais attends, j'entends un coffre, il est où? Ah, il est là-haut, ok. T'as pas fait top 1? On va essayer de faire top 1, les gars, là. Je viens de commencer le live, les gars. C'est la première game du live, donc on va voir ce que ça donne. Là, je fais un spawn safe, comme ça, on parle tous ensemble, et voilà, quoi. Masseux, t'es le meilleur. Merci mon ref, t'es un crack. Merci beaucoup frérot. Tu sors une vidéo. Ah j'ai pas compris. Merci Roadgamer pour ton sub. En vrai je peux pas tout faire les gars. Sachant que voilà, je travaille sur plusieurs trucs et tout. Mais c'est vrai que les défis du Z-Event, je me suis mis dans une sacrée merde. Parce que créer un serveur Minecraft, survivre sur une île déserte, faire Paris-Roubaix, faire un match de catch. Ah frérot, je me suis... Franchement les gars, je me suis mis dans une belle merde à organiser tout ça. Je vous explique même pas la merde dans laquelle je suis. Je vous le dis, je suis dans une belle merde. Mais bon, ça fait partie du jeu. Ça va être drôle quand on aura fait tout. Est-ce que vous pensez que j'aurai le temps de tout faire avant le prochain Z-Event? Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à tout faire? Ça va être chaud en vrai. Honnêtement, tu serais chaud pour refaire le Z-Event? Bah, je sais pas, hein, normalement, il y a moyen, ouais. Merci mon ref. Merci Tristan.
Merci Léana, merci beaucoup pour les donates. Merci ceux qui sont sur le live, qui s'abonnent, qui mettent la cloche. Merci les gars, vous êtes des cracks. Le live super mis quand, je sais pas, vers 22h30, un truc comme ça. Y'a un mec qui me rush. Théma, je l'ai entendu. Il est où? Oh, il est là. Ok, il s'est barré. Grosse dédicace à Daf Toto qui va t'attendre à Roubaix. Oh là là, Roubaix, les gars, je pense qu'il y aura du monde à m'attendre pour l'arrivée. Hein. J'espère, les gars, les Roubaisiens, je compte sur vous. Hein. Tes potes, ils sont encore dans les études. Ouais, c'est pas logique car ton live Clash Royale va débuter en même temps que tu seras à Roubaix. Non, le live Clash Royale, c'est le 10. Bonne chance pour Paris-Roubaix. Merci DSR. Les gars, le live Clash Royale, c'est le 10 mars. Et moi, je pars à Roubaix mercredi. Donc, non, ça va le faire. Le Clash Royale, c'est jeudi prochain, pas lui, l'autre. Donc, en vrai, on est bon. On est dans les clous, les gars, vous inquiétez pas. J'ai fait exprès d'espacer un peu, histoire d'être énergique pour le live Clash Royale. Vous êtes contents des invités qu'il y a, les gars? Vous auriez aimé qui est qui dans le tournoi? Parce que là, j'ai annoncé les invités. En vrai, il y a du bon monde, là, hein, normalement. Il y a tous vos youtubeurs préférés ou vos streamers. Hein. Tu vas atteindre les 4,94 avant que tu finisses par Roubaix? Non. Les gars, ça prend du temps, hein, les abonnés. Hein. En vrai, attendez un peu, hein, c'est pas tout de suite les 5 millions. Hein. Grosse dédicace, Léana. Surtout que il y a des vidéos que j'oublie de sortir, donc... Abonnez-vous, là, le chat, abonnez-vous. Spammez des abonnez-vous. Tous ceux qui sont pas abonnés encore, c'est le moment. Mettez la cloche, let's go. Road to 5 millions, les gars. Nasdas, ouais, il y a Nasdas, il y a Tommy qui fait... CR7, ouais, c'est compliqué les gars, hein, CR7. Si la troisième guerre mondiale n'a pas débuté, ouais, j'ai vu ces choses qui se passent en ce moment. Franchement les gars, on en aura vécu des trucs, putain. Covid. La Russie qui fait la guerre là. Ouais, laisse tomber frère. En gros. Il se passe trop de trucs. Hein. Hop. Ça se tape dessus là, on va aller essayer de faire du fight là, du kill. On va balancer des petites greux. Parfait. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et qu'est-ce que ça me fait du bien. Ouais, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? C'est quoi qui m'a expulsé? Me dis pas, c'est mon arc. C'est quoi les gars? C'est quoi ça? C'est aberrant. Ah, c'est mon arc, je crois. Miteux. C'est mon arc qui m'explose comme ça? What the fuck? Ah ouais, mon arc il est aberrant. Mais what the fuck? Comment ça se fait que ça m'explose? C'est un arc grenade? Mais c'est pas un arc en feu? C'est pas un arc en feu les gars que j'ai? Je crois que j'ai un arc en feu. Hein. Je crois que c'est un arc en feu que j'ai. Hein. Attends, je vais prendre ça. On est nombreux à Roubaix TKT. Ils sont où les Roubaisiens là? Ils sont là les Roubaix? Ouais les gars, à Roubaix on va... Eh, s'il vous plaît, quand j'arrive à Roubaix... Eh, je veux que ça crie partout. Venez avec des affiches, ce que vous voulez. Les gars... Je vais filmer l'arrivée à Roubaix, je veux qu'elle soit mémorable. Je veux qu'elle soit dans le... Attends. Je veux qu'elle soit dans le livre d'histoire géo de mes enfants. Yo BG, continue, t'es le crack. Merci Mata. T'auras les 5 millions pendant le tournoi, je suis sûr. Merci CG. Ça serait incroyable de les passer pendant le tournoi. Non, en vrai, on les aura un peu plus tard, les gars. Ça prend du temps, hein. 5 millions, c'est pas en claquant des doigts. Hein. Wow. Les gars. Hop. Mets ton arc vert par terre. Là, j'ai un arc en or, hein. Hop. Merci Zwix pour ton sub. Salam. Salut mon ref. J'aimerais bien des petites potions là. Salut, t'es le boss. C'est toi le boss, mon ref panda. Merci beaucoup. Merci mon frérot. Hop, y a pas des potions ici. Vous jouez encore beaucoup à Fortnite le chat ou c'est plus trop en la mode en ce moment là? C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas live donc j'arrive pas à savoir. Oh attends, y'a un mec qui tire là. Wesh. Ah ouais. Il est où lui?
Wesh. Il est où? Il a volé où là? Mais je comprends rien à ces arcs les gars là. Wesh, je comprends rien à la méta des arcs là. Là si je me mets une flèche sous moi, je vole ou pas? Pourquoi je vole pas moi? Ah ouais. Je veux pas me faire voler moi. Oh merde. Je vole ou pas moi? Comment je fais pour voler? Il y a un pad là, parfait. Je me mets tout ça. Attends, je me mets mes bandages là. Vite, faut que je pars dans la zone. Il me faut de l'huile. Ok. Une potion. Merci Panda pour ta donate, merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Parfait ça. Oh le chien. Oh non, j'ai failli le tuer, les gars, il avait 20 HP. J'ai failli le tuer. Oh non, j'ai le seum. Bon, première game du live. On va dire que c'est la première. Ça se passe pas trop mal. Merci Jean. Bah peut-être un jour, ouais. J'aurais adoré voir inviter insolite genre Camille Combal. Merci mon ref Kylian. Il y a 4 différents types d'arc. Faut garder appuyé 2 secondes. Mais merci Nico. Mais ah ouais, je sais pas comment c'est le type d'arc. Ah, faut appuyer 2 secondes pour activer le pouvoir de différents arcs. D'accord, ok. Prends un arc de choc et tu vas voler. Bon, vous allez m'expliquer le bail des arcs là parce que j'ai pas du tout compris, frère. Moi, il y a 3 arcs, d'accord, ok, il y a plusieurs arcs, je savais pas du tout. C'est pas grave, on va s'échauffer, tranquille. C'est le retour. Le 10 mars, j'ai brevet blanc, aïe, 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 aïe. Qui va regarder le tournoi Clash Royale le 10 mars, là? Tout le monde, quand même. Je l'espère. En plus, les gars, il y aura 20 000 euros à gagner pour la communauté. Il y aura 20 000 euros, Clash Royale vous donne 20 000 euros. Merci Drempreva pour ton sub, les gars. Drempreva, merci mon ref. Je crois qu'ils vont faire gagner des iPhones, des gemmes Clash Royale. Ah ouais, ils vont régaler. Hein. Tu vas encore à la muscu? Bah, ça fait une semaine que je suis pas allé à la muscu. Parce que j'étais au ski. Et là, du coup, je vais pas cette semaine parce que je fais Paris-Roubaix. Du coup, faut pas que je me nique mes muscles, quoi. Mais je vais retourner. Ouais, fin de Paris-Roubaix, je retourne à la muscu. Hein. Merci beaucoup, Yann. J'irai regarder, mon ref. Ina, j'irai regarder. Merci beaucoup. C'est la vraie course avec les pros? Ouais, c'est la vraie course avec les pros, Paris-Roubaix que je fais. Sauf que moi, je fais tout seul avec PA. Mais c'est quasi le même parcours, ouais. C'est comme la vraie course. Et vous savez, j'ai une bonne nouvelle, les gars. Vous devinez ou pas? Vous devinez la bonne nouvelle? Pendant que je fais mon Paris-Roubaix, il pleut des torrents. Voilà, il pleut 100%. Donc voilà, donc déjà que c'est compliqué. Et en plus, dites-vous, il va pleuvoir et je vais avoir le vent contre moi. Alors là, si j'y arrive, c'est un exploit. C'est un exploit. Je vais aller dans les champs de Gadou. Je suis mort, en fait je suis mort. Là je pense que je vais jamais autant souffrir de ma vie. Je pense que je vais pleurer. Honnêtement je pense que je vais pleurer. Il pleut, tout le trajet il pleut frère. Et dis-toi tu pédales mais tu dois pédaler 2 fois plus fort parce que le vent il te pousse. Enfin il est contre toi. Non je suis mort. Là les gars je suis dans une merde. Mais je suis dans une putain de merde hein. Là je suis dans un caca mais il est énorme. Alors cette semaine au ski, bonne chance pour demain. Merci beaucoup Ellie, c'est après-demain. Mais merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est incroyable le ski, j'ai kiffé sa mère. Ah les gars, je vais regretter, je pense. En fait, je vais pas regretter, c'est un vrai challenge. Et ça va faire une vidéo de ouf. Mais je vais être dans la merde. Si tu pourrais aller t'abonner. Merci mon ref Panda, t'es un crack. Merci mon ref. Merci player, t'es un crack aussi. Il t'a dit va là-bas le vent. Ah le vent, il va m'enculer. Hein. Ah les gars, le vent, il va me tuer. Hein. Ça va être chaud. Avec le vent, la pluie. Imagine, t'as de l'eau qui tombe dessus tout le trajet. Non, c'est horrible. C'est horrible.
Ok, on va prendre les gants de Spider-Man. S'il me laisse les prendre, bien sûr. Ok, il me les a pas pris, parfait. Là, on va aller sloot là-bas. On a gants de Spider-Man, on a de quoi aller sloot. Arc en or. Parfait. Là, c'est un arc quoi, les gars? Que j'ai. Arc mécanique explosif. C'est lequel le meilleur arc, les amis? Ochila et Leila, merci. Merci pour votre donate. Merci beaucoup, player, pour ta donate. Moi aussi, je t'aime. Hop, on prend ça. Parfait. Hop. Ah, ça me fait plaisir de vous revoir, le chat. Ça me fait plaisir, les abos. Ça fait un bail. Tu fais à pied? Non, en vélo, mon ref. Mais t'inquiète pas que c'est vraiment dur. Hop. Hop, j'ai l'arc. Parfait. Hop. Enflammé, ouais, j'ai un arc enflammé, là. Mais il marche comment, les gars? Ça explose direct. Je vais le tester. Vous savez quoi? Je vais le tester. C'est bien ou c'est de la merde, ça? Mais t'es nul ou bien? Ça m'a l'air éclaté, hein. Ok, on va prendre ça. Hop, là je suis bien. Il y a l'air d'avoir personne. Là, objectif, c'est top, hein, les gars. Je vais pas à tiltel des tout. Je me stuff tranquille. Le but, c'est de faire un top 1. Oh, c'est un abonné, quel crack. Merci mon ref, t'es un génie. Merci mon ref, t'es un génie. Putain, il m'a fait peur, n'empêche, hein. Bien. Ok, carré, alors, je le garde. Ça serait bien un arc qui te heal. En vrai de vrai, ça serait pas mal. Oh, le petit chien. Il est où, lui? J'aime les danettes. Merci mon ref, je crois que c'était un abonné aussi, lui. Basic Fit, merci Nathan, merci mon ref. Ok, je vais garder le mien. Lui, ça doit être flèche qui envoie du feu, donc c'est de la merde, je pense. Imagine juste, t'as le Corona avant le Paris-Roubaix. Ah, imagine, j'ai le seum. Hein. Est-ce que tu comptes aller en Guyane? Je compte aller partout, mais c'est compliqué, les gars. Hop, parfait, on prend ça. Ah, fait chier, quoi. Malheureusement, je peux pas stack de heal. Je fais comment, les gars? Je joue comment? Je vais jouer comme ça, je pense. Hein. Je vais jouer... Ouais, je vais la jouer comme ça. Je vais la jouer corps à corps, hein, cette game. Hein. J'ai l'arc pour jouer à distance. Si tu veux une bonne petite idée, je te conseille un 125 TD. En vrai, M3, mon ref. Hein. Le mieux, c'est M3. Hein. Inscris-toi à la Spartan Race. Vrai défi. Ah, en plus, il m'avait proposé... Il m'avait proposé, je crois. Mais le problème, c'est que j'aurais pas le temps. Je pense. Merci Star, merci beaucoup mon ref. Après, je pense que Paris-Roubaix, c'est quand même un vrai défi, hein, les gars. Gotha veut Clash Royale. Impossible, Gotha, il est en soirée du lundi, les BG. Mais vous inquiétez pas, quand je reviens de Paris-Roubaix, je l'allume à Clash Royale. De toute façon, pendant mon tournoi, je vais l'allumer, ça va pas être compliqué. Vous pensez qui va gagner le prochain tournoi Clash Royale? Selon les invités que j'ai invités, là, vous pensez que qui est bien pour gagner, là? Moi, je me prends pas mal de build, les gars. Dans une belle merde. Mais wesh, mais c'est trop. Wesh, comment laver les crocs. Ça, c'est un stream hacker, les gars. Parce qu'il s'est bien caché avant de me tirer dessus. Je pense que lui, lui, les gars, il est bien malin, lui, hein. Gros dédicace à ton frère Diogo, merci mon ref, merci Stars. Tu passeras dans ma ville, normalement je peux te suivre pendant 1 km. Merci mon petit Mathieu, si tu veux mon Math. Tu me vois passer, prépare ton vélo. Ça va être drôle pour la vidéo. Nasdas vient, ouais, Nasdas vient au tournoi. GMK va gagner. Non, en vrai de vrai, vous pensez qui va gagner? Arrêtez de dire GMK, GMK on va le laver. Merci Mamad pour ta donnée, pour ton sub. GMK 11 élixirs, il tue tout le monde. Et GMK gros, il pose une carte, c'est terminé, on a tous perdu. Non, ouais, je pense pas que GMK va gagner. Je pense pas que GMK va gagner. Je pense que...
Le Bouzeux va prendre sa revanche. En vrai, le Bouzeux a déjà gagné la première édition. Je pense pas qu'il gagnera la deuxième. En vrai, ouais, je pense pas qu'il gagnera la deuxième. Ça m'étonnerait. Mais on peut avoir une petite surprise sur celui qui va gagner. Askip Nasdas est très fort. Hein. Il est fort Nasdas au jeu ou pas? Askip, il est pas mauvais. Hein. Il y en a qui me disent. Et les youtubeurs. Je suis abonné. Merci mon ref, t'as essayé de me niquer deux fois en un message. Ça marchera pas. C'est quoi ton clavier? C'est un clavier Rocat mon ref. Clavier mécanique, Rocat Vulcan. En vrai moi les gars, j'ai 5500 trophées, hein. C'est pas ouf. Hein. En fait j'ai 5500 trophées mais j'ai ma tour niveau 10. Donc en vrai si je mets de l'argent, je peux aller à 6000 trophées mais vas-y, flemme de mettre de l'argent. En fait je suis bloqué, les gens ils ont toutes leurs cartes max. Ça me bloque. Fais top 1 pour moi, vas-y je vais faire top 1 les gars. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait un top 1 Fortnite, ce soir faut qu'on sorte avec un top 1. Inox, je regarde ta chaîne YouTube depuis 2 ans, je t'adore. Merci Alex, t'es un crack. Tu seras en direct pendant le parcours, mais non, ça sera en vidéo mon ref. La vidéo sortira une semaine et demie après. Donc voilà. Il y aura un montage stylé et tout, vous inquiétez pas. Ça va être cool. Je compte sur vous pour la regarder. Tu veux pas tester League of Legends une fois? Il y a moyen de faire une... avec Gota, Squeezie, Bogby et Wow. Bah en vrai si je vais faire un live League of Legends. Quand je reviens de Paris-Roubaix, Wow il va me coacher sur League of Legends. Je sais pas qui joue avec League of Legends dans le chat. Je pense pas que ça va intéresser grand monde. Mais je vais quand même en faire un pour découvrir le jeu. C'est vrai que c'est un peu baisé hein, de faire un live League of Legends sur YouTube sur ma chaîne. Mais en vrai faut tester dans la vie, faut tester des trucs hein. Je pense pas qu'il y aura un grand monde qui va kiffer mais... En vrai moi ça me dérange pas de tester hein. Bon en vrai le bail des arcs ça me fait un peu chier qu'il y ait beaucoup d'arcs comme ça. Celui-là sert à quoi? C'est un arc primitif empoisonné. Est-ce qu'il est bien les gars ou pas ouf? Hey je regarde mon top 1, ton live avec mes parents à l'hôpital. Bah force à toi mon ref, bon rétablissement. Je te souhaite tout le bonheur du monde mon ref. Hop, comme ça. En vrai je pense qu'il n'y a pas grand monde qui joue avec League of Legends ici. Hein. Non, je tout... Tu soutiendras un jeune youtubeur, dis-moi, je vais réussir et je réussirai. Mon ref Kinred, lâche rien, tu réussiras mon ref. Lâche rien frérot. Merci beaucoup. Merci Darkisoros, merci mon ref, t'inquiète, y'a pas de soucis. Ça fait longtemps, un retour à aberrant. Bah Dark 5, un retour mais je repars demain. Wow. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui vient de se passer? J'aimerais bien. J'aimerais bien que quelqu'un m'explique. Histoire que j'ai des renseignements, qu'on me dise... Ce stream hacker sortait d'où? J'aimerais qu'on me dise d'où sortait ce stream hacker. Il est tombé du ciel. Je crois vraiment qu'il vient de tomber du ciel. Sous mes yeux. Il vient de tomber du ciel, les gars. Le matin, Paprika. Je crois qu'il vient de tomber du ciel. Hein. Je sais. Mais vous êtes d'accord? On l'a pas vu. Merci, Anaïs, pour ton sub. On est d'accord, il y a un souci là. Comment t'as fait pour percer sur YouTube? J'ai pris une épine. Tu vois une petite épine et j'ai appuyé sur la page YouTube. Et ça ouais, franchement celle-là, j'aurais pu la garder pour moi, ça aurait fait ni chaud ni froid. Non en vrai gros j'ai eu de la chance hein. Ben tu t'es fait fumer. Bah ouais je me suis fait fumer mais d'où? Je comprends pas en fait. C'est pour quand ton chien? Là cet été les gars normalement mon chien. En vrai ça passe vite les gars. Ça passe vite, là cet été j'ai mon chien zombie. Tu peux m'ajouter en jouant ensemble? Merci mon ref Edouard, je suis en solo là. Il a sauté du rocher, ouais bah frérot, vas-y il a des fuzzer feeling lui sur lui ou c'est comment? Wesh Inox, yo 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 tous ceux qui viennent, yo merci à ceux qui mettent des pouces bleus, qui s'abonnent, qui mettent la cloche. Pourquoi t'as supprimé ton dernier TikTok? Il s'est fait supprimer mon TikTok. J'ai relancé une game là, ça m'a l'air de prendre du temps. Casse les couilles. Inox, trop beau, j'ai envie de toi. Wow 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 wow, wow du calme. La vidéo, attends j'ai pas vu ce que tu m'as dit. La vidéo Clash Royale sera en vidéo ou en VDI? La vidéo Clash Royale ça sera en live mon ref. Le tournoi sera en live. Pourquoi t'étais avec Capri? Ah qui connaît Cap? Qui connaît KPRI dans le chat? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît KPRI dans le chat? Les gars je suis allé à Lyon parce que je rentrais du ski et je suis passé par Lyon. Et je suis allé manger McDo avec Capri. Les gars, Capri, allez écouter son dernier album, Masterclass. C'est le prodigionné. Tous ceux qui connaissent pas Capri, vous mettez Capri sur Spotify. K-P-R-I. Vous mettez les sons les plus écoutés, vous allez kiffer. Les... C'est un jeune rappeur qui va percer. Faudra pas me dire, ouais, Nox, t'avais raison. Je vous l'ai dit, il va percer. Hein. Il va percer parce qu'il est très très bon.
Donc, soyez à l'affût. Hein. Je te connaissais à peine, tu as un bon. Merci beaucoup, mon ref, ça fait plaisir. Yo, Inox, moi c'est Varel, j'ai une chaîne YouTube, j'aimerais savoir tes meilleurs conseils. Merci, mon ref. Meilleurs conseils, gros, amuse-toi, prends du plaisir. Et l'objectif de tout casser, mais ne compte pas sur ça pour tout casser. Fais des trucs. Comment dire. Fais ce que t'as envie de faire et te préoccupe pas de la vie des gens. Merci, mon ref. Les gars, Capri, 69. 6-9, Lyonzon. Quand même, les gars. Lyon le Saint, voilà. Lyonzon, ouais. Go top 1. Putain, faut que je le fasse, le top 1. Ça fait trop longtemps, les gars. Ça fait trop longtemps. J'ai envie de le faire, mais. Non, j'ai pas fait de permanente pour mes cheveux, les gars. J'ai pas fait de permanente. Mais moi, la gars, j'ai envie de. D'ailleurs, vous avez vu VDI, j'ai changé de caméra là. Vous avez pas trop kiffé la qualité. Je vous avoue que moi non plus. Et du coup, bah, vous me connaissez, hein. J'ai trouvé une solution. J'en ai acheté une autre. J'en ai acheté une autre qui fait une qualité tarlé ouf. On la testera dans le prochain vidéo. Dans le prochain vidéo, mais ça va être d'art. 6-9 le son. Bah, 6-9, c'est le département de Lyon, non? Quoi ça? 6-9. Hop, hop, hop. Hop, hop. On prend ça. Ça. Il y a un coffre là-haut, on va le prendre. Là, il y a des gens qui vont me rush, c'est sûr. Hop. C'est quoi ça? Arc à mécanique et en deux shots. Oh parfait, c'est le meilleur. Les gars, lui c'est le meilleur. Meilleur arc. Hop, on va prendre le coffre ici. Et lui c'est quoi? Explosif, on ne prend pas. Je suis pas mal en deux shots, on est pas mal hein. Oh. Lui il a cru il allait faire le discret avec moi. Bah pourquoi j'ai pas volé? Ok, faut tenir 2 secondes. Voilà, let's go. En fait, faut maintenir 10 secondes pour activer le pouvoir de l'arc. Ça met combien de dégâts si j'active pas le pouvoir de l'arc, les gars? Ça met combien de dégâts? Hop, on prend ça. On se met ça là. Parfait, en vrai j'ai mes items hein. Je sais pas si je prends Spider-Man. Moi je commence les vidéos, j'écoute tes vidéos, ça fait 2-3 ans avec la sirène. On les revoit quand sur ta chaîne? En juillet, Panda. Enfin, j'y vais en juin, fin juin. Je vais en fin juin au Mexique. Du coup, il y aura sûrement une vidéo début juillet. Merci Baptiste, force à toi. Merci mon ref, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Attends, je vais aller chercher le sac là en bas. Je sais pas si je prends Spider-Man ou pas. Putain, j'ai eu peur. Je sais pas si je prends Spider-Man. J'hésite. On va prendre. Ok, il n'y a pas de coffre du coup. Je pense que je vais pas. Je vais pas prendre Spider-Man hein, les BG hein. On va prendre les ondes de choc. J'ai 29 balles frère. J'ai... Attends. C'est surcheaté ça hein. Oh. Alors ça les gars, ça va être surcheaté hein. 220 dégâts. 200 dans la tête. Ah ouais, c'est cheaté l'arc. Tu sous-estimes le nombre de personnes de ton stream qui jouent à LOL. Après peut-être je sous-estime le nombre de joueurs de LOL hein. On verra bien hein, quand je jouerai à LOL. Comment ça se passe? La honte, t'es sur YouTube. Pourquoi la honte, tu es sur YouTube, Momi? La honte, tu regardes mon live sur YouTube, Momi. T'es une honte. Frérot, laisse-moi être sur YouTube. Je fais de mal à personne, gros, faire mes lives sur YouTube. Je sais que la team Twitch, y en a qui veulent que j'aille sur Twitch, mais les gars, je suis très bien ici. Je suis en détente. Je fais mes bails dans mon coin. C'est carré, quoi. Inox refait l'aventure Minecraft. Faut que je refasse une aventure Minecraft. Je pense que je referai une d'ici un mois, un truc comme ça. Un mois et demi, deux mois, je pense que je referai une aventure Minecraft. Parce qu'avec Michou, on en a commencé une, mais du coup, comme il y avait eu Dals et tout, il avait pas pu continuer et tout. 222 dans la tête, c'est cheaté. Hein. Va sur Twitch, tu seras le prince. Bon, je suis pas un prince, je suis rien du tout, frérot. Non, sur YouTube, je suis bien, les gars, je suis bien. On verra plus tard peut-être, mais pour l'instant, restons ici. Et peut-être plus tard, quand je le sentirai, j'irai sur Twitch. Tu gagnes mieux. En vrai, je pense que ça serait plus rentable pour moi d'aller sur Twitch. Honnêtement, je pense que ça serait plus rentable pour moi d'aller sur Twitch, les gars.
Mais après, tu vois, je me dis sur YouTube, comme je fais une vidéo par semaine, le fait de live sur YouTube, bah vous me voyez sur YouTube, donc du coup, bah vous avez l'occasion de regarder mes vidéos, parce que quand tu regardes mon live, tu te dis, je coupe mon live, bah peut-être tu vas regarder ma vidéo, donc ça fait qu'il y a des gens qui loupent pas de vidéos grâce à mes lives et tout, tu vois. C'est YouTuber ou c'est Twitcher, sérieux? Bah moi, vous me considérez comme quoi? C'est streamer ou YouTuber? Haha! Parce qu'en vrai, je fais beaucoup de live, hein. Il y a des mecs là-bas, les gars. Il y a des mecs. Merci Itomax pour ton sub. Merci beaucoup. Merci Lucio pour ta donate. Ouais. Wesh. Il y a un truc qui m'est passé juste à côté du sexe, là. Si je me fais tuer par derrière, j'ai envie de niquer des mères. Oh putain, en fait, je suis trop fort. Je suis trop fort. Je les défonce. Ils sont obligés de me backstab pour me tuer. Et pourquoi ils s'arrêtent? Allez hop, c'est un stream à cœur. Je suis jeune rappeur, j'ai débuté sur Spotify, tu m'inspires. Merci Elkaïs. Merci mon ref. T'es jeune rappeur? Retiens bien. Tous les jeunes rappeurs dans le chat, retenez bien, soyez à l'affût mercredi. Voilà, je dis juste ça. Soyez à l'affût mercredi, je ferai une annonce. Oh, j'ai collé un vrai truc là. J'ai collé un vrai petit truc. Tous ceux qui font du rap, retenez bien. Vous avez entendu le chat, hein. Retenez bien, mercredi soir, je fais une annonce. Alors, comme ça, c'est fait. C'est dit. J'aime pas faire attendre les gens. Mercredi soir, annonce. Alors. Pour tous les mecs qui veulent percer dans le rap, faudrait être à l'affût. Ça sera votre moment. Putain, j'en peux plus des gens qui me backstab. Fais chier. Fais chier, gros. Je suis désolé, les gars, pour ces games de merde. Je fais comme je peux, mais malheureusement, je me fais niquer, là. Le cercle? Non. C'est pas le rentre dans le cercle. C'est un truc où c'est vous qui serez maître de votre destin. Bref, soyez à l'affût, tous ceux qui kiffent le rap. Tous ceux qui veulent percer dans le rap. Rendez-vous mercredi pour une annonce. Oh, les gars, j'adore. J'adore balancer des petits trucs comme ça. J'ai hâte que vous voyez ce que je vous prépare. C'est moi ou tu viens d'inventer un message dans le chat pour faire ton annonce? Non, non, il y a vraiment un mec qui m'a demandé. Bah non, il y a Leak LK, il m'a dit je suis jeune rappeur, je débute sur Spotify. Tu peux le voir, la donate, elle est là-haut. Tu peux cliquer dessus. Je n'ai pas inventé de message. Est-ce que tu vas passer sur Discord? Tu as déjà expliqué ta rencontre avec GMK? Ma rencontre avec GMK, comment ça s'est passé? Frérot, c'est pas compliqué, j'étais à Cannes pour le festival de Cannes. Et je lui ai envoyé un message, je lui ai fait ouais, sale soldat miteux, est-ce que t'es chaud de faire une vidéo avec moi pour mon VDI? Il m'a dit oui. Voilà, c'est terminé. C'est mon histoire avec GMK. Avec ce jeune golem, affreusement miteux. Vous dites Kaskeli, merci beaucoup. Grosse force pour Paris-Roubaix. Gros soutien. Merci Valentin, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Yo, j'aime pas trop les croutons. C'est merde, mon ref. Mais toi, t'as un bon délire. Bon, ça va alors. Ouais, continue. Merci, mon ref. Si tu fais top 1, 5 millions d'abonnés. Ouais, mais les gars, si je fais top 1, si je fais machin, j'ai l'impression que sur Fortnite, je peux plus faire top 1. Est-ce que vous arrivez encore? Parce que moi, en tant que mec qui fait des lives dessus et que je me fais streamhack, j'arrive plus à faire top 1. Je vous le dis. Et c'est pas l'excuse du streamhack. Hein. Et j'arrive vraiment. J'arrive vraiment plus à me démerder pour faire des top 1, les gars. C'est très sérieux. Là, il y a un coffre, je sais même pas où il est. Ok, il est là. Parfait. Attends, peut-être il y a des mini-potes. Ok, grosse pote. Tu vois, là, j'ai des armes de merde. Je peux rien faire. Bon, vraiment, j'arrive même plus à faire top 1, quoi. Quelle honte. Quelle honte, les gars. C'est mon jeu de prédilection. Et j'arrive pas à faire top 1 dessus, quoi. C'est quoi là ce que j'ai? C'est un arc comment? Onde de choc, ok. Parfait. Arc à onde de choc. Donc il y a un mec là-haut. Je pense.
Yonok, ça va, je te suis depuis longtemps et j'attendrai à Roubaix, mon ref, tu vas réussir. Merci beaucoup, Floki, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Pedro, pour ta donate. Je vais identifier où il y a des mecs. Ok. Il y a un mec là-bas. Du coup, j'ai pas d'arme, moi. Je vais aller chercher un coffre. Au milieu, il y a un coffre. C'est un peu... Si je survis, je me suce. Bon bah je vais me sucer bien comme il faut. Merci Nathan pour ta donate. Oh putain. Je vais me sucer le sgeg là. Wow. Attends. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh putain. Oh putain de merde. Je me tire, je vais prendre le chasse au trésor. C'est dard le coffre au trésor? Ça flingue ou ça flingue pas? Conduit comme un pro inox. Coffre au trésor, fonce. C'est dard coffre au trésor ou pas les gars? Ouais, c'est quoi cette musique de merde là? C'est quoi cette musique de merde? Ok, parfait. Et go, go trésor. Oh y'a un colis, attends, je passe prendre le colis. Ça va me mettre bien. Colis, coffre au trésor, c'est top 1. Colis plus coffre au trésor, je suce des bites. Ok. J'attends qu'il descende le truc. Incroyable le coffre au trésor, ok. Alors attendez, on va le prendre. J'attends juste qu'il descende. Je regarde s'il y a des mecs. Il m'a l'air d'avoir personne. Il y a un Spider-Man, je vais aller le prendre. Tu m'as dit quoi Pedro? Tu m'as parlé d'un défi que j'ai pas vu sur Twitter ton défi mon ref Pedro. Ok, il y a le coffre qui vient de tomber. Je vais prendre le Spider-Man pour me barrer vite. Ok. Parfait. Je vais prendre ça, ça se trouve il va y avoir une arme. Là j'ai des armes de merde. Ok. Ok parfait, on prend le coffre les gars. Ok, qu'est-ce qu'on a dedans? Ok, je prends ça ou pas les gars? Je prends ou pas? Je prends pas hein. Vas-y je prends, c'est quoi je prends? On va au coffre, il est où le coffre? Ah il est là-bas, il s'affiche en orange. Go. On va le prendre. En vrai je vais pas prendre la voiture. J'ai le Spider-Man. C'est même pas la peine. Go, go au coffre direct. Hop. Merde. Ok, on est bon. Inox plein de bonheur. T'es un crack mon ref. Merci à tous ceux qui me portent du bonheur dans le chat. Vous êtes des cracks, je vous suce. Merde. Ok, on y est presque, hein. On y est presque au trésor. Hein. Si tu fais pas top 1, tu lèches le pied d'Amine. Ah non, faut pas. Oh, il a traîné, je sais pas où son pied, gros. T'avoue, jamais je le laisse, son pied tout gras là. Ok, parfait, parfait. Je crois que le coffre est par là. Oh, il est là. Attention, attention les gars. J'espère qu'on a un vrai truc. Hein. Il m'a l'air incroyable. Oh la putain de sa mère. J'ai été identifié. Faut que je me tire. J'ai été identifié. Je sais pas où par contre. Les gars, on a un stuff tarléouf, c'est top 1. Si je joue bien, c'est top 1.
Qui y croit dans le chat au top 1? Merci Nolan. Un maximum de flammes le chat. C'est le top 1. On a un bon truc là. J'ai été identifié mais faut que je trouve le mec là. Je pense qu'il y a un mec là-dedans. Ouais, il y a un mec. Il y a eu du fight là. On le trouve, on l'allume. Faut le trouver. Ça va être compliqué. J'ai pas de heal, les gars. Il y a un petit truc là-haut. Vas-y, on va bouger en Spider-Man. Hein. Oh, il y a un mec. Monter légèrement. Ok, parfait. S'il tombe, il est mort. Voilà! Dealer Inox! Dealer! Oh là là, je l'ai fumé. Je l'ai atomisé, les gars. Ok, on est bon. Voilà ça, c'est bon ça. On va se récupérer du build et on est en détente, les BG! Voilà! On leur dit, nous! Hop, je vais aller au milieu de la zone, tranquillement. Bon, j'ai qu'un kill. En vrai, les gars, c'est pas une game de ouf. Mais je m'en fous, on a dit on veut top 1. J'ai regardé Pedro. Si j'oublie pas, j'ai regardé. Merci pour les GG les gars. Merci ceux qui mettent des pouces bleus les gars, ça fait plaisir. Pour faire pousser plus vite la barre, j'ai pas de conseil mon ref. Merci pour ta donnée. On part à Paris Spéculos pour le Paris-Roubaix. De Paris. Le matin. C'est après-demain les gars, donc va falloir être solide hein, sur les appuis. Va falloir bien dormir. Comptez sur moi, je vais bien dormir. De base, j'aime pas le jeu comme ça, mais ta bonne humeur me donne envie de regarder. Continue, t'es un bon. Merci mon ref, t'es un bon. Je te suce ton gros pénis. Sauf si t'as pas un pénis, mais t'as autre chose, quoi. Merci, ça fait plaisir. Ok, il reste 16 mecs. On a un kill. J'ai les gants de Spider-Man. Oh, ça me tire dessus. Alors, putain, alors lui, eh, quand je te dis il va pas faire long feu, c'est qu'il va vraiment pas faire long feu. Hein. Voilà, je t'avais dit. Oh, il y a un corbeau dans le truc. Il est où le corbeau? Il s'est barré, je crois. Ok, on l'a eu, les gars, parfait. Je sais pas, il avait quoi comme stuff? Il y a des bidons de slurp. Oui, ça. Oh, ils ont remis une snipe! Je le prends. Bah, les couilles. Alors, je le reprends. Oh, ils ont remis le snipe. Attends, mais est-ce que c'est le snipe, c'est l'ancien snipe qu'on connaissait tous? Ça m'a l'air, hein. C'est le vrai snipe ou pas, les gars, lui? Il est bien ou pas, ou je le prends pas? Je garde le truc répulsif, là. En vrai, je pense que c'est mieux de garder le truc répulsif, hein. Dites-moi, répulsif ou sniper? Je pense que vous allez me dire répulsif. Là, je sais pas ce que je peux... En vrai, je peux rien avoir de mieux que ce que j'ai là. J'ai vraiment le meilleur stuff. Empoisonné. Je vais prendre l'arc répulsif, hein, je pense. Vous connaissant, vous allez me dire arc répulsif. Merci Nolan pour ta donate. Ouais, tout le monde m'a dit répulsif. Je le savais, les gars. Je vous connais par cœur. Je commence à vous connaître avec le temps. Est-ce qu'il y a un cumé là? Que je lui fasse l'amour. Là, je vous dis, le prochain que je vois, je le fume sec. Je vois personne. Il reste 10 remains, je vois personne. Là-dedans, il y a quelqu'un, c'est obligé, non? Oh, il y a un mec. Sors d'où, lui?
survie, je me suce en pénis. Je suce un pénis. Oh putain. Je fais comment? Je fais comment? Self-control. Self-control. Oh le facochère de tes morts. Oh le facochère de tes morts. Oh le facochère de tes morts. Non mais non, mais c'est trop. Mais je me suis fait niquer par un facochère. Je me suis fait niquer par un facochère. C'est quoi ce bordel? Putain de sanglier de merde. Il y a un sanglier de merde, il me tue. Je l'ai esquivé en plus, frère. Non, là c'est trop. Là, c'est de l'abus. Là, je suis maudit. En fait, ce jeu... Mec, il m'a mangé ma dignité, ce facochère de merde. Oh non, c'est trop baisé. Je me suis vraiment fait tuer par un facochère, là. Non, là, c'est trop baisé, les gars. C'est aberrant. Là, c'est miteux. C'est aberrant. Aberrant. Et un facochère, il m'a tué, carrément. Oh, le chien. Des fois, je reçois des insultes racistes sur mes vidéos. Qu'est-ce que je devrais faire? Ouais, écoute pas, tous ceux qui sont racistes, c'est des cons, de toute façon, donc... Tu devrais même pas donner un avis, tu devrais même pas... tu devrais même pas répondre aux commentaires comme ça, bref. Une minute de silence. Gros, laisse tomber, frère, c'est trop. Par un sanglier, je suis mort par un putain de facochère. Gros, c'est... Comment il s'appelle, là, dans les Rois Lions? Mani? Non, Mani, c'est l'éléphant, le mammouth. Comment il s'appelle, le facochère? Pumba. C'est Pumba, il m'a tué, carrément. Facochère de tes morts. Putain, les gars, on va encore faire une soirée Fortnite sans top 1. C'est... Ça me casse les couilles, frère. Gros, je suis maudit sur ce jeu, frère. Fallait le tirer, ça allait donner de la bouffe. Ouais, mais bon... En vrai de vrai, j'allais mourir. Il y a un mec, il allait me voir, j'étais mort. Mets des pyramides sur les trucs de slurp, ça les casse. Ok. Ça fait depuis 2 ans que je t'envoie de l'argent, mais tu m'as jamais remercié. Ah, mon ref, ça m'étonnerait. À chaque fois, je remercie les donates. Ça m'arrive de louper de temps en temps, mais... Ah, il m'a graille, hein, le facochère. Hein. Putain. Inox dit l'abeille cool plein de fois. Oui, oui. Je vais te le dire directement. Hein. L'abeille cool, bah, je vais te dire l'abeille couille. Voilà, je te le dis direct. Au mieux que tu me fasses la blague de merde. Voilà, moi, j'ai pas honte de dire hein, l'abeille couille. L'abeille couille. Bien rasé, bien lisse. Tu t'étais fumé par un halouf. Ouais, les gars, il y a un halouf, il m'a tué carrément. Je me suis fait tuer par un halouf. Je crois que je suis le seul mec de Fortnite à mourir comme ça, hein, je vous le dis. Il y a quoi là? C'est répulsif encore, parfait. Mais par contre, il y a trop d'arc. C'est quoi? On joue à Robin des Bois ou c'est Fortnite là? Je comprends pas. Ok, il y a un coffre là. Sniper de merde. Voilà, c'est comme ça que je vais gagner. C'est pas comme ça que je vais gagner, les gars. Donnez-moi des vraies armes. Il me faut la carte au trésor. C'est la meilleure truc du jeu, les gars. C'est la meilleure truc du jeu. Facochère de merde. Mais c'est honteux. Je me suis fait tuer par un... Le facochère, il m'a niqué ma game. Quelle honte. Bon, je vais prendre ça. Hop, on est bon. Eh, le Covid, c'est terminé ou pas, les gars? Il y a plus de cas ou il y a encore des cas? J'ai l'impression que c'est finito. Il a plus de buzz, le Covid. Les gars, le Covid, il est finito. J'entends plus parler du Covid, les gars. Hop, voilà, full heal. On va prendre les gants de Spider-Man. On n'est pas là pour jouer aux cartes. Je vais aller chercher du stuff là-haut. Voilà, il doit forcément avoir du stuff. Hop, il n'y a pas de stuff. Éclater sa mère. On va aller chercher les gants de Spider-Man. Voilà, ils sont juste là, normalement. Ils sont pas là. Alors je comprends pas. Ok, ils sont là. Mon toutou. Voilà, ici on prend. Parfait.
Là j'ai un pompe, là-bas il doit y avoir un coffre, y a pas de coffre, parfait. Je vais rush là-bas, hein, ça va. Oh, y'a un mec là-bas. Y'a un mec. On va se le faire. Go. Je vais rentrer dans son véhicule, regardez bien, ça va être monstrueux les gars. Retenez, ça va être historique. J'ai rien dit. Je suis à deux doigts d'arrêter Fortnite. Hein. Je suis à deux doigts. Je suis à deux doigts. Deux doigts d'arrêter Fortnite. Je suis à deux doigts d'arrêter Fortnite. Self-control. Voilà, garde ton contrôle. Garde ton self-control. Parce que vraiment, je suis à deux doigts. Je vais pas tarder à péter un crâne. Je suis à deux doigts d'arrêter Fortnite. Historique. L'arrêt de Fortnite va être historique. Non, là, c'est trop. À chaque fois que j'ouvre ma gueule, je me fais niquer. Oh, c'est trop. La tête d'homme, c'est trop. Oui, c'est bien historique. C'était rapide. Historique, vraiment. Vraiment historique. Vraiment. Non, mais les gars, j'en peux plus, quoi. À chaque fois que je joue à Fortnite, je fais même plus de top 1. Je suis devenu une sous-merde. Mais en fait, je sais pas si je suis devenu une sous-merde ou si les gens sont trop forts. Je crois que c'est les deux. Merci, Thelma. Je crois que je suis devenu une sous-merde et les gens sont forts. Oh. Bon, je vais aller à Tilted. Alors, on va à Tilted ou pas le chat? Tilted ou pas le chat? Putain. Faudrait qu'on teste. Je sais pas si Michou il joue à Clash là. Faut que je le fume à Clash. Je le fume à Clash là. Après là. Tout à l'heure je le fume à Clash. Eh enculé! 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 Eh enculé! Putain, il se reconnaît pas. Attendez. Regardez, il va se reconnaître. Eh bouffon! Je te parle! Bouffon! Bouffon! Tu m'entends? Mais bouffon! Ah! Bouffon! Putain, il est sourd cette merde. Laisse tomber. Il est sourd. Gros, il est... Ouais, je te... Ah, tu t'es reconnu. Tu veux que je te nique à Clash Royale après? Attends un peu. Après, je t'encule à Clash Royale. Je t'encule après. Attends, dans 30 minutes, je t'encule. Vilain cul. Non, je suis là, putain. Non, je suis là. Ok, attends, je vais prendre ça. Épulsif, ça? C'est onde de choc, parfait. Mon fils te kiffe, c'est grâce à lui que je suis là. Merci, Dadou. Dadou qui vient d'arriver sur le live, voit jeune youtubeur Inoxtag insulter son pote d'enculé et roter. Et il se dit que son fils regarde ce mec tous les jours. Et bien, putain, l'exemple est incroyable. Allez, mes parents, arrête de crier. Ah ouais, les gars, les parents, vos parents, ils doivent se dire c'est qui ce mec vulgaire là? Non, mais faut arrêter de se suivre là. Allez regarder Michou, hein, parce que. Allez regarder, hein, parce que lui, Inox là, il dit trop de gros mots, il est trop vulgaire ce jeune homme. Hein. La tête de homme, c'est réel. Ah les gars, je suis vulgaire, j'arrête. J'arrête d'être vulgaire. Enculé. Attends, y'a pas un coffre là? Y'a un coffre. Ma mère est à côté. Salut la daronne. Demande-lui si elle va bien. Demande-lui si elle connaît cet instru. Tu fais quoi Gaëtan? Y'a la daronne à côté. Va pas sur des sites comme ça Gaëtan. Merci Pedro. Oh pauvre daronne. Elle son fils n'est plus innocent. Bah, qu'est-ce que tu fais Gaëtan? T'es pas sur le site YouTube là. T'es sur un autre site là. Attends, je prends ça. Hop, je prends ça. Je prends ça. Le prochain qui me dit il y a mon daron à côté. Allez hop. Je lui remets la madré en sueur les gars. Elle verra plus jamais son fils comme avant.
Ok, ça visait pas, parfait. Voilà, parfait, ça dégage. Je sais pas viser. Hey mon caca. Ça dégage. La daronne dit donc ça fout le cœur, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Ah, foot corner en plus. Merci Manu pour ton sub. Hop, j'ai mis la grenade répulsive. Pour l'instant on est pas mal. Il y a mon daron à côté. Ok. Wow, wow, wow. J'ai entendu un mec en Spider-Man. Et je sens qu'il va me la mettre. Je sens qu'il va me la mettre. Mais t'inquiète pas, je suis plus fort que ça. Je vais l'allumer. Attends. Parce que là, je suis un peu dans la merde. Regardez, regardez. Je vais le faire tomber. Viens, mec. J'ai cru entendre un mec. Je ne suis pas fou. Je le rush ou pas, le mec là-bas, les gars? Je le rush ou pas? Taper 1, je le rush. Taper 2, je le rush pas. Ok, je prends ça. On va aller là. Il me faut du heal ou des trucs comme ça. Oh putain, il m'a fait peur là, ce clown. C'est quoi sa tête à lui, frère? Ok. Ouais, passe le balai, toutou, ouais. Passe le balai, je t'ai dit. Oh, ils vendent des bails. Passe le balai, bah. Ok, je prends ça. Je vais aller le rush, les gars. Attendez un petit peu. On se remet en heal. Ok, pompe lourde, je vais le garder. On va aller le rush, les gars. Salut Nox, j'aime les pattes. Merci mon ref, mets des pyramides sur les barils. Ouais, tu me l'as dit tout à l'heure, mon ref. Mère, Enzo a un gros zizi, si tu veux. Mais toi qui vas sur la rivière, je l'entends pas. Tu m'entends pas, mon ref? Il y a mon daron à côté. Non, mais les gars, je vais pas mettre trois fois de. Je vais pas mettre six fois la musique de Pornhub, hein. YouTube. De YouTube. Je crois qu'ils sont là-bas, les mecs, hein. Hop. Je vais aller rush le mec. Je sais pas s'il est encore là-bas, les amis, hein. Je vous promets rien, on va voir. Je rêve où il est mort. Ah non. J'ai cru que c'était son stuff là. Je crois qu'il est plus là, le mec, hein. Je crois qu'il est plus là, hein. Faut aller trouver autre part, hein. On va se barrer de toute façon. On va se barrer. J'ai un stuff potable pour aller kill des mecs. Je pense que là-bas il y a des mecs. Mais c'est vrai qu'il l'enlève jamais, le truc Spider-Man là. Je sais pas combien de temps ils vont le laisser, hein. Il y a des mecs là, c'est sûr. Ok, il y a un mec, il s'échappe. Lui, il a un stuff de bâtard. Retenez bien, je vais me mettre sur son quad, je vais le fumer. Voilà, les gars! Il a un stuff de merde. Un stuff éclaté au sol, j'ai jamais vu ça dans toute mon existence de Fortnite. Ok, y'a un pad là-bas. J'ai vu tes vidéos, elles sont cool. Merci les gars, ça fait plaisir. Merci mon ref d'avoir validé mes vidéos. Salut, je suis célèbre, salut mon ref. Salut mon ref, t'es un crack. Ça dit quoi Enoch? Ça dit quoi le chat? Est-ce que vous allez bien? Notez votre vie sur 10. Maintenant. Notez votre humeur sur 10 maintenant. Attends, je vais prendre ça. Il me faut du build, sinon je vais me retrouver dans une merde. Tu connais le refrain, je commence à en avoir ras le cul, hein. Y a pas de colis dans ce bled. Y a pas de mec là. Un pad encore. Ok, y a une voiture qui a bougé. Info sur une voiture qui a bougé là-bas. Ok les gars, suivez la voiture, remontez dedans et tuez le mec. C'est ce que j'ai décidé de mener. Suivez la voiture, montez dedans, tuez le mec. Thank you.
Comment il sait que je suis là? Il est trop fort lui, ça se voit. Je me casse. Alors lui, je cherche même pas. Frère, il... C'est bon. Alors lui les gars, j'ai même pas envie de chercher à comprendre, frère. Je suce ma bite, je me casse. Allez hop, c'est bon. T'as gagné frérot, amuse-toi bien. 8 sur 10, 6, 2, ma meuf vient de me quitter. Ouais, ça c'est dur ça mon ref. Malheureusement, il n'y a que le temps qui répare le cœur. Et comme dirait l'ancien philosophe Voltaire, il n'y a que le temps qui répare le cœur. Et le temps ne s'accélère pas. Voilà, c'est moi qui ai inventé la phrase. Elle est incroyable. Mon rush te donne toute ma force. Malheureusement, va falloir que le temps fasse passer l'amour. J'ai rien d'autre conseil à te donner. À part, change-toi les idées, mon ref. Je suis mort. Allez, GG. Important, c'est de participer. Mort. Oh putain. Ça va tout casser là. Allumez le feu, je suis dans une belle merde. Là je suis pas bien. Donc la morale tu vas la faire à dos. Là je me casse bien. Là je suis pas bien. Donc la morale tu vas la faire à d'autres. En fait les gens, ils sont... Je suis avec des mecs qui ont mon niveau en fait, donc c'est trop dur de gagner là. C'est plus les games de l'époque de Tristan 9-2 là. C'est terminé cette histoire là. C'est fini là les bambis du 9-2. Je sais pas pourquoi je dis 9-2 mais... C'est fini cette époque. Robasson78 qui était en game, c'est fini. Putain, y'a un mec. Oh là, c'est fini. Portez ses couilles comme un Rubik's Cube. Je sais même pas comment je meurs, ça commence à me rendre fou ce jeu de merde. J'ai plus de vie, les gars. Comment je vais survivre? J'en sais rien du tout. Oh! Mon sauveur. Si y a un mec, je suis mort. Tue mon lama. Quel jeu de merde! J'en peux plus de ce jeu de merde! J'en peux plus, les gars! On peut rien faire dans ce jeu! 10 ans pour tuer un lama! 10 ans pour tuer un lama! Dans la vraie vie, je lui mets une balle de gun, il est mort, le lama! Faut lui mettre 6 chargeurs dans la gueule au lama! C'était sûr ça, que ça allait pas durer. C'était sûr que la game allait pas durer, les gars. T'as des conseils pour aborder une crush pour la première fois? Bah frérot, prends un bateau et dis-lui de monter si tu vas l'aborder. Bon, celle-là elle était pas ouf non plus en vrai. Celle-là elle était pas ouf. Tu vas faire... Tu Clash Royale? Bah je vais niquer Michou sur Clash Royale, ouais. Hé hey, Michou, ouais. Je te défonce, ouais. Je te défonce, ouais. Je te la mets. Bah si tu veux je te la mets là. Dans 30 minutes, ouais. Vas-y. C'est long dans 30 minutes. Vas-y, 20 minutes je te la mets. Bien profonde, va. Je te la mets. Je vais lui mettre, les gars. Il va s'en souvenir toute sa vie. Je dis ça mais il va me défoncer hein. Comme d'habitude. Il va m'atomiser, gros.
En vrai, je l'atomise à Clash Royale ou pas, les gars? À votre avis, je l'atomise ou il m'atomise? Soyez sincère, soyez sincère. Dites-lui ou moi, soyez sincère. Voilà. Après, faudra pas retourner sa veste, hein, quand je vais lui mettre 10-0. Hein. Faudra vraiment pas retourner sa veste. Moi, je les vois, hein, les gens qui retournent leur veste. Je les vois, les mecs qui sont de ton côté quand t'es en haut, mais quand t'es en bas, je les vois, hein, ceux qui sont pas là. Hein. Je les vois. Retenez bien comment je vais l'atomiser, gros. Dans 30 minutes, je change de live pour voir du bon jeu. Je sais pas comment le prendre là. Là, ça m'a fait mal au cœur, tu vois. Je pense carrément, je vais arrêter mon live. Ah ouais, il m'a tiré une balle, lui. Elle est puissante. Elle est puissante, mais c'est pas ça qui va m'éteindre. C'est pas. Ça m'éteint pas. Ça me touche pas, ça. Les trucs comme ça, c'est conneries à deux balles. C'est pas ça qui va me faire arrêter de jouer ou quoi. C'est pas ça qui va m'arrêter. Hein. Ah ouais, elle était puissante celle-là, les gars, j'ai du mal à la digérer. Voilà, dans la vie, c'est pas tout le temps comme on veut. Il y a toujours des gens qui te sous-estiment. Faut leur montrer, en fait, c'est simple, le chat. Faut leur montrer. Donc je vais leur montrer le chat. Je vais vous montrer que je l'allume. Voilà, c'est pas compliqué. Comme ça après, ça va me dire Inox, t'es trop fort. Bah oui, mais en fait c'est tout le temps comme ça. Ça retourne sa veste jusqu'à voir que je suis un monstre. Et comme je vais être un monstre, ça va retourner sa veste. Mais on les connaît, les retournements de veste. On les connaît. Je suis pas né en 2015. Hein. J'ai connu hein, moi la vie. Hein. Frérot, 2002 frérot. Oh. J'ai un passif. Oh, c'est pas. Lui, il va m'apprendre la vie, hein. Moi, je crois en des gens, tu vas voir. Je vais l'atomiser, ça va pas être compliqué. Il va prendre sa branlée sur Clash Royale. Ça va lui faire tout drôle au Pichoun, là. Hop, attends. Alors lui, là-haut, il va prendre 3 balles dans la tête. Regarde. Il est où que je l'atomise? J'arrête Fortnite. Allez hop, c'est bon. Merci Lucas. Merci Manu pour ton sub 13 mois. Merci beaucoup. J'arrête Fortnite. Allez hop, c'est bon. J'en peux plus de ce jeu. Désolé, hein. Je lance le jeu. Hey, Michou! Ouais. Moi, je suis sur Clash Royale, donc dès que t'es là, viens! Putain, mais les gars, mais c'est trop, j'en peux plus. Ça fait 2 mois que j'ai pas fait top 1 sur ce jeu, j'en peux plus. Kit, c'est pas fait pour toi. C'était fait à l'ancienne, c'était fait pour moi. Maintenant, je pense que je suis maudit maintenant. En fait, les gens sont bons. Les gens dans mes games sont bons, ils sont pas mauvais. Je peux pas leur chier dessus à la gueule. J'ai fait un rage kit, je vous le dis, j'ai fait un rage kit. Alors attendez, on va aller sur Clash. PC de jeu, voilà, je vais mettre l'écran, voilà, désolé, j'ai pas de overlay les gars, mais, hey, les gars, en vrai de vrai, il y a un style comme ça, soyons honnêtes, il est beau mon écran ou pas? Moi, tous ceux qui diront c'est moche, je vous crois pas, les bandes noires ça fait un style, c'est sobre, efficace, j'écoute pas les rageux, je vais vous montrer mon niveau incroyable, je vais vous montrer comment on domine une game sur Clash Royale, je vais vous faire un tuto, parce que je crois que vous comprenez pas que je suis devenu un monstre, regardez bien. PK, fond de map, directement pour faire peur à l'adversaire. Il met une Valkyrie, c'est parfait. Je nique la Valkyrie avec mon PK. Regardez bien, ça va être un free win cette game. Déjà, pourquoi ça bug? Ok, ça bug plus, c'est bon. Ok. Là, on va balancer ça. Merci Fredo pour ton sub. Mohamed Amin Lak Becker, merci pour ton sub, pour ta donnée. Voilà. Ici, boule de feu. Voilà, ça annule le zap, le PK qui tape la tour. Regarde, ça, c'est joué. Il a mis un PK,
C'était pas prévu, malheureusement. Mais c'est pas grave, le dragon de l'enfer va tirer la tour. C'est bon, il a plus de tour, GG. Le chat, vous pouvez m'applaudir. C'est... Alors, attendez un peu. Il y a eu un changement de planning. Allô, jeune merde aberrante. L'immense cafard, frérot, j'ai mis une vidéo sur TikTok. J'ai dit ouais, espèce de cafard moisi, la vie de ma mère, ils m'ont bloqué mon compte, c'est tortionnaire, frérot, ils ont juste insulté, frère. T'as dit quoi? Aberrant, frérot. En fait, TikTok, ils t'ont ban? Non, en fait, sur TikTok, j'ai mis une vidéo, je réponds à ton commentaire. Ouais. Espèce de cafard miteux, vieux cafard moisi, je sais pas quoi. En fait, ils ont cru que genre j'essayais de t'intimider, ils m'ont dit, et ils m'ont bloqué, frère, je mets des vidéos. Ça met 0 likes, 0. Tu t'es fait ban TikTok, sale merde. Allez, vite ma mère, gros. J'ai répondu à ton sale commentaire plein de virus. Là, ça m'a coupé mon compte, frérot. Aberrant. C'est mytho, cette application. C'est aberrant. Ouais, c'est une frérot. C'est une dictature, frérot. Ils obligent les gens à te faire des cadeaux. C'est du racket. Ils racketent les gens qui te suivent. Et en plus de ça, frérot, tu fais un truc, frère, j'ai fait une blague, ils m'ont banni. Mais gros, ta blague était nulle, c'est peut-être pour ça. Ouais, mais bon, je suis quand même outré par cette décision. Mais même moi, je suis outré, je trouve ça ridicule. Là, je suis passé en conseil de discipline, frérot. Aberrant. Mais du coup, tu vas faire comment, là? Ils vont te redonner un compte? Bah rien, frérot. Je sais pas, je les emmerde, frère. S'ils m'en redonnent pas, j'en ai plus, et puis c'est tout, frérot. Aberrant. Mec, c'est mytho. Je suis outré par cette décision. Attends, tu sais que je joue à Clash Royale là? Regarde mon live, ça prend en de la graine. Mais quoi, t'es en live là? Ouais, je suis en live sur Clash Royale. Faut que tu regardes pour apprendre. Oh, t'es chaud, je fais un combat? Non, pas maintenant, frérot. Là, je suis au restaurant, je vais jouer tout l'après, mais je suis passé à 1100 de score, frérot. Là, t'es à 1000 trophées? Mais mec, t'es trop fort. Ouais, 1000 trophées, frérot. Tu sais que 1000 trophées, moi je suis à 2000, hein, je suis pas loin. C'est miteux, 1000 trophées. T'as 5400 toi, j'ai vu déjà. Ouais, je suis à 5400. Mais 1000, franchement, c'est miteux. Genre là, dans le tournoi, t'es classé 3ème, je pense. Aberrant, bah c'est bien, frérot. Vas-y, bah bisous, mon ref. J'espère qu'ils vont te déban, hein. Ouais, je m'en bats les couilles, au pire, c'est pas grave. C'est un réseau de racketteurs et de dictateurs, frérot. Je vais sûrement que aberrant. Miteux. Vas-y, frère. Vas-y, bisous, bisous. Ça. Il s'est fait battre de TikTok, ce jeune soldat miteux. Attends, je vais me concentrer, je suis même pas focus in game. Je suis mort. Jeune merde. Voilà, à cause de GMK. Voilà. Il m'a appelé en pleine game, voilà, c'est à cause de ça. Sinon j'allais gagner le chat, hein. Mais hé, les gars, en vrai, TikTok, on est d'accord que c'est aberrant. Comment ça se fait qu'il se fasse ban juste parce qu'il a répondu à mon commentaire et il m'a clashé dans le commentaire et TikTok l'ont ban? C'est normal ou pas, les gars? On est d'accord que TikTok, ça a abusé. Là, les gars, j'ai fait que de la D cette game parce que j'étais pas concentré, il y avait GMK qui m'appelait. Mais en vrai, TikTok, c'est une dictature, en gros. En vrai, avoue, ils abusent, les gars. TikTok. TikTok, c'est trop miteux, gros. Ils abusent de ouf. Gros, ils voulaient juste répondre à une de mes commentaires, ils l'ont ban. Je mets quoi, armée de squelettes ou... Ouais, il va me défoncer lui, c'est sûr il sait jouer. Non, en vrai il m'a à peine insulté dans le TikTok, les gars. Est-ce que ça fait mal à mon PK ça? Je pense qu'il y a plein de comptes qui se font ban. Je vais niquer sa sorcière. Normalement ça touche la tour. Ah merde. Ok. Ça va bien me faire chier. Normalement, il n'y a plus de princesse. Faut vraiment que tu rajoutes un overlay pour tes lives Clash Royale. Ouais. En vrai, faut que je m'en fasse un bien, en vrai. Parce qu'en vrai, c'est vrai que mes lives Clash Royale, j'abuse un peu. J'ai même pas d'overlay. J'attends que Michou, il vienne. Que je l'allume, Michou, en tirage triple, les gars. Je vais lui faire sa fête. Ok, là. Ok, je garde mon PK pour défendre son squelette éclaté. Ici, je balance mes gobelins. Il va mettre sa tornade, mais bah les couilles.
Ok, ici je mets mon PK. Ok, ici je mets mon sorcier. Ça va tirer sur la Valkyrie. On va la gagner cette game les gars. Après il a des bonnes... Il a les cartes à haut niveau hein. Ça me pose problème. Sa Valkyrie elle m'a niqué ma tour. Gros ses squelettes là, son armée de squelettes, elle me casse les bonbons. Mais un peu... Oh non, il a pas mis un coup le PK. Ok, ça va être dur de gagner les gars. Allez, je place mon dragon de l'enfer. Ici, on place ça. Ces gobelins niveau 13, ils font mal, faut que je fasse Belek. Ok, ensuite on va mettre PK. Archer magique. Ok, je touche pas la princesse, mais là, logiquement, il la démonte. Ah ouais, mais en fait, il va mettre son sorcier, il va tout niquer son sorcier là. Ok, c'est pas grave, on va retenter un push. Ok, là je vais mettre électro. Mais attends, mais il a que des princesses ou quoi? En vrai, la princesse ça compte le PK ou pas, les gars? En vrai, c'est quand même une qui contre le PK. Hein. Non, faut pas qu'il avance lui. Attends, ça va dégager. Oh non, j'ai mal mis ma boule de feu. En vrai, je peux pas push. La princesse, elle nique mon truc. Sa sorcière, elle me nique tout mon deck. Gros sorcière et ses squelettes de merde, là. Faut que je me concentre. Faut faire ça comme ça. Hop, ça dégage. Je suis mort. Je suis mort. Oh, il a dit bien jouer ce bâtard. Ouais, je suis mort. Tu as des frères et sœurs? Non, j'ai pas de frères et sœurs. Dans le chat, qui a des frères et sœurs là? Qui a des frères et sœurs dans le chat? Ton combo PK Dragon de l'Enfer est pas équilibré. Non, mais là, il avait le deck qui me contre. Là, il avait le deck qui me contre. Et en live, je perds alors que... Regarde, là, j'ai pas mal de trophées, hein, je suis bien monté. Alors que mes cartes, elles sont même pas niveau 13. Hein. Merci Robin. Ah, ça fait plaisir, mon ref. Ça fait plaisir. Ah ouais, il y a tout le monde qui a des frères et sœurs dans le chat. Moi, je suis fils unique. Tapez 1, la team fils unique, là. Vous pensez que c'est quoi le mieux, d'avoir des frères et sœurs ou d'être fils unique? C'est quoi le mieux? En vrai, je pense avoir des frères et sœurs, c'est d'art. Après, quand t'es fils unique, t'as tout, donc c'est d'art aussi, mais... En vrai, avoir des frères et sœurs, ça doit être pas mal. Parce que tu développes un esprit de fraternité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ton sorcier, c'est bien, mon boule de feu, elle l'atomise. Parfait, ça, je vais le défoncer. Ça, j'ai même pas peur, tu vois. Ça me fait zéro pression. Ok, ça me fait même pas peur. La voleuse, elle dégage. Voilà, lui, il dégage. Oh là, je vais avoir un combo, les gars. Il a niqué sa bûche, en plus je vais pouvoir mettre mon fût de gobelin. Regardez, hein, c'est gagné là. Retenez bien. C'est gagné là, c'est tour easy. Voilà, regardez bien. J'ai la tour, allez hop. Ça, il a joué comme une merde. Ça dégage. Allez hop. Les deux. Parfait, la Valkyrie, j'ai rien besoin de défendre. Ça va tout niquer tout seul. Hop. Elle touche même pas normalement. Parfait les gars, mais regardez comment c'est monstrueux. Surtout une relation de fraternité, c'est d'art. Une petite sœur malheureusement. Pourquoi malheureusement? C'est pas bien d'avoir une petite sœur? C'est d'art non, d'avoir une petite sœur ou un petit frère non? Les gars, j'ai même pas d'overlay, c'est une honte. C'est une honte, je suis streamer J'ai même pas d'overlay quoi, quelle honte. Vous m'aimez comme ça, c'est pas grave les gars, j'ai pas besoin d'overlay pour que... Regardez comment je vais l'atomiser, hein. Vous êtes prêts? Le combo, c'est parti. Il va louper sa bûche, regardez, je vais brain sa bûche. Hop, c'est fini, t'as plus de tour. Allez hop, c'est bon, c'est fini. Ah non, il a pas loupé sa bûche. Ok, bon, je vais arrêter de faire le mec. Parce que je vais vite me prendre un karma. C'est relou une petite sœur. Non c'est relou. Non c'est pas ouf les petites sœurs.
façon, on veut toujours pas ce qu'on a. Bah, quand t'as des mecs, tu préfères avoir une ref, un ref. Ah, quand t'as un mec, tu préfères avoir un ref. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est plus le même délire. Trois grands frères et deux grandes sœurs. Ah ouais, toi, c'est aberrant, frère. Famille nombreuse, ma gueule. Famille nombreuse de ouf. Attends, lui, je vais l'allumer son succès. Je vais tenter un rush, là. Je vais mettre ça ici. Peut-être la bûche, elle va pas les taper tous. J'ai gagné. GG, les gars, on a gagné. C'est relou. Moi, j'ai un grand frère qui me victimise 1h24. C'est mieux d'avoir un frère et une sœur, c'est clair. Le mec, il m'a dit, ouais, j'ai mon grand frère, il me victimise tous les jours. Elle est comment, Andrea, sur Clash? Non, elle joue mais j'ai jamais joué contre elle. Bon courage pour la course à vélo. Merci, mon ref. Wesh, wesh, wesh. Wesh, il m'a fait peur, j'ai mis le PK direct. Oh, il l'a one shot. Regardez, il va mettre armée de squelettes. Ça pue l'armée de squelettes. Magnifique pré-shot. Oh là là, si j'ai la tour comme ça, tout le monde me suce. Ok, me sucez pas. Barbare niveau 14. Hein. Le mec n'a pas de vie. Hein. Boule de feu ou pas pour défendre ça? Non, je vais mettre ça. Ok. Un grand frère, une grande sœur. Moi, je déteste ma sœur la plus grande. En vrai, après, au début, je pense que tu détestes tes frères et sœurs. Et après, tu les aimes bien. Insultez-moi, j'ai fait le pire placement de toute ma vie. Et j'ai niqué une bûche. Oh le con, regardez comment j'ai perdu mes tours. Oh, j'ai perdu ma tour comme un con. En vrai, j'ai le deck pour le niquer. Quoique. Est-ce que j'ai le deck pour le niquer? En fait, si j'arrive... Ah non, il a la sorcière, il est mort. Comment je vais gérer ça? Sorcière niveau 14. Le PK défonce lui. Ah ouais, il met son armée comme ça en plein milieu. Je suis mort, je suis mort, je suis mort. Je sais même pas pourquoi j'ai posé mon armée de squelette. Là, j'ai juste à attendre l'overtime. Pas qu'il me rush trop. J'ai un mec qui m'appelle. Genre, ma tour, elle a... Genre, une sorcière, ça met autant à ma tour. Je comprends pas, franchement. Ouais, il a un sorcier, en fait. Son sorcier, je l'atomise. C'est pas un problème. Ok, on va partir de l'autre côté. Regardez bien. Là, c'est le move final. En fait, j'ai rien pour défendre son truc de merde. Là. Il est niveau 12, son mini PK de merde. Il met un gel. Oh, le raciste. Oh, le raciste. Mais j'ai jamais vu ça. J'ai loupé ma boule. Ouais, la game est finie. Alors, c'est bon. Il a mis un gel avec son mini PK. En fait, mon armée de squelette, j'aurais dû la garder pour le mini PK, mais j'avais pas le bon cycle. J'ai fait de la merde. La sorcière, elle fait grave des dégâts. Elle est niveau 14, frère. Moi, j'ai mes cartes niveau 12. Hein. Ça me met dans la merde. Hein. Mais pourquoi tout le monde m'appelle là? Laissez-moi tranquille. C'est la même, mon frère me victimise tout le temps. Mais wesh, attends. Allô? Allô? Oui. C'est qui? Ça va? C'est qui? C'est Attends deux secondes. Let's go. Oh, j'ai le seum. Les abonnés, ils ont trouvé mon téléphone. Fou, ah, c'est horrible ça, les gars. Vous savez que ça, c'est horrible. Hein. Ça me réveille la nuit carrément. Je vous jure, il a utilisé une boule de feu pour mon sud gobelin. Ok, là, faut que je me reconfocus. Alors, on va mettre le PK ici. J'ai mal placé, génial. Alors, moi, je suis le roi des cons ce soir. Ce soir, je fais trop de la merde. Ok, regardez bien. Là, il a fait le pire move de le mettre maintenant. Oh non, pourquoi ça touche pas la T2? Pourquoi mon sorcier touchait pas la T2, les gars? Pourquoi mon sorcier touchait pas la T2? Alors là, je suis dans une tête poilue, là.
Déjà ma tour, pourquoi elle a perdu autant de dégâts les gars? Ah je suis mort. Merci Nosuke, merci mon ref. J'en peux plus, il met trop la pression avec ses cartes de grattage là. En plus, là faut que je récupère l'élixir là. Ok, je crois que c'est ça qui a mis autant de dégâts à ma tour. Je vais mettre un dragon de l'enfer. Mets de l'argent pour augmenter tes cartes. Mais les gars, j'ai la flemme de mettre de l'argent. J'ai la flemme de mettre de l'argent, les gars. J'ai déjà mis en plus un peu d'argent. Là, regarde, je me remets bien en élixir. Voilà, il a plus de vie, son sorcier. Voilà, là, il va mettre son chevaucheur de cochon. Le problème, c'est que sa TDE, hein. Comment je la nique, sa TDE? Ok, je sais. Je suis mort, je peux rien faire. Je peux rien faire, il a la bûche et tout. Je peux rien faire, il a la TDE. Quand il a la TDE comme ça, je peux rien faire. Alors que j'ai l'électro-sorcier, hein. Ah mais en fait il a une technique avec sa bûche, il vire mon électro-sorcier. Merci Dark Five, merci beaucoup mon ref, merci infiniment. En fait avec sa bûche, il le vire mon électro-sorcier. Ça dépend de la fratrie, c'est bien, des fois ça saoule. Après quand ton frère il vient, tu te bats, c'est terminé. Ouais, quand il est une T2, je peux rien faire les gars. Le rat, non mais les gars je sais même pas rat, c'est juste frère. En vrai, je pourrais mettre de l'argent dans le jeu, mais... Ça me fait chier, en vrai. Ok, il met un dragon. Ok, il a utilisé un dragon et des flèches. Là, je suis gagnant sur le nombre d'élixirs. Je vais mettre mon PK ici. Comme ça, ça. Hop, parfait. Là, il va mettre armée de squelettes. Ok, non. Attends, mais il est con. J'ai rien dit. Je l'avais dit qu'il allait mettre armée de squelettes. J'ai envoyé une boule de feu pour rien. Ok, là, faut que je récupère l'élixir, sinon je perds. Ok, donc là, je vais mettre ça. Aberrant. J'ai pas sorcier, les gars. Mon sorcier, faut que je mette derrière le PK, pas devant. Ok, pas grave, là on va jouer le temps, on récupère l'élixir, j'ai fait de la merde. Je sais qu'il faut que je préchote une boule de feu, hein, les gars. Enfin, faut que je préchote ma bûche. Ça, c'est clair. J'ai perdu beaucoup de dégâts, c'est pas grave, on va rattraper. Ok, on va tenter le feu de gobelin. Oh, le PK comme ça, il me casse. Ah, ouais. Et il a beaucoup de mes counters, hein. Il a les flèches. Il a le PK là. Valkyrie. Après, en vrai, il a un deck bien pour me niquer. Après, j'ai pas encore joué mon électro. Hein. On va voir comment on va le faire. Ça, ça me fait pas mal. Ouais, c'était sûr. Ça fait trop mal ça. Faut que j'aie ma bûche. Le pro. Ok, boule de feu. Ok, boule de feu pour. Ok, je sais ce que je vais faire. Boule de feu. Ça va être pour le feu de gobelin. Le reste, la bûche, ça va être pour l'autre. Là, lui, faut que je le ken vite. Voilà, ça dégage. Boule de feu. Voilà. Là, et la bûche. 1, 2, 3. Boum, j'ai sa tour. Regardez ça. C'est monstrueux. C'est monstrueux ce qui va se passer. C'est monstrueux. C'est monstrueux la prise de tour. Oh non. Il a trop bien défendu. Mais, ouais, mais gros, elles sont niveau combien ces cartes? J'avais trop géré les gars.
Putain, fais chier. Ces cartes, elles sont trop haut niveau. Moi, j'ai pas de quoi défendre son PK, je suis mort. Je suis mort. J'ai plus de tour. Oh. Oh non. Oh non. Oh, j'ai trop le seum. Vite, sorcier magique. Vite. Vite, bombarde, 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 bombarde. Il va... Oh, j'ai gagné. Oh, la chatte. Oh, la chatte à la... Oh là 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 là, la chatte. La chatte à la daronne d'Amina Foot Corner. Oh, la snake. Allez, les gars. C'est gagné. C'est gagné. J'y croyais pas, là, le combat, là. J'y croyais pas, hein. C'est... Oh, c'était chaud du cul. Je vous le dis, c'est pas passé loin. Ok, c'est gagné. Continuez comme ça, on enchaîne. Allez, hop, c'est parti. Oh, c'est gouré. Il a mal mis son zap. Ok, là, il a niqué beaucoup d'élixir, les gars. Il a niqué pas mal d'élixir pour sa petite connerie. Ça, ça passe pas avec moi. Ok, pour l'instant, on est très bien. Pour l'instant, on est très bien. Il va mettre une petite balle, mon sorcier. Voilà, parfait. Là, j'ai ma défense. Il a niqué son zap. Normalement, il peut pas en réutiliser un. Hein. Ok, deux archers. On va partir avec un PK fond de map. T'es chanceux, petit crevard. Ah là, les gars, je suis chanceux, en vrai. Hein. Ok, là, on a notre PK qui avance. Attends, mais attends. Je rêve ou c'est son archer, il a niqué ma tour là. Je crois que je suis en train de rêver. Je l'attente. Ça va faire mal. Le PK s'il passe, ça fait très très mal. Il a plus d'élixir normalement. Ok, c'est pas grave, il a niqué beaucoup d'élixir pour défendre. Le PK normalement il met 0-0, il touche pas là. Parfait. Ok, là il a plus beaucoup d'élixir les gars. Après, il va se remettre bien, je pense. Là, je vais essayer de mettre des balles avec mon archer. Ok, il a mis ça pour rien. Ah non. Mais en fait, ces mini-archers, ils ont putain de vie, hein, les gars. Ils ont de la vie, hein. Mais il a une carte qu'il a pas mis, là. Ah, merde, j'aurais peut-être dû mettre la boule de feu, les gars. Mais le mec en face tout à l'heure il avait les flèches, je comprends pas pourquoi il les a pas mis. Oh, fait chier. Ok, pas grave, prochain truc c'est bon. 1, 2, 3, boule de feu. Hop. Je mets le PK direct, bas les couilles. Allez hop, ça dégage. Wesh, il me le sort d'où lui? Alors là, je vais stacker mes troupes comme jamais. J'ai plus beaucoup de vie sur mes troupes. Attends, j'ai une vraie petite armée là qui avance. Ok, c'est parti les gars. Priez pour moi, maximum de flammes dans le chat pour cette fin de game. Ok, c'est parfait. Sorcier. Ok, normalement, je vais éliminer tout ce qu'il y a là. Hein. Ok, il a plus de bûches. Normalement ça va faire mal. Double archer. Ok, parfait, il a utilisé son zap. Normalement j'ai une armée de ouf. Hop, c'est fini. Let's go, GG les gars. Ça passe, bien sûr que ça passe. Grosse dédicace Noah, merci mon ref. On est bon les gars, on est bon. Le deck fonctionne. On récupère les trophées qu'on perd. Parfait ça. Parfait les gars, c'est gagné. Michou, tu viens? Tu viens? Ok, vas-y, je fais ça. Ok, il a mis armée de squelettes. Ok, sorcière. Les gars, deck sorcière, ça me met vraiment dans la merde.
Je vais la jouer boule de feu, sa sorcière. Normalement, elle va pas faire long feu. Je vais laisser mon archer faire le taf. Ok. Ok, artificière. Normalement, je suis tranquille. Normalement, il n'y a plus d'artificière. Mes cartes n'ont plus de vie, les gars. Enfin, pas artificière, la meuf qui jette les boules. Je sais pas comment on l'appelle, les gars. Ça serait bien que je nique un peu les gargouilles. Ok, j'ai niqué les gargouilles, c'est bon, parfait. Il en reste deux. On peut gagner, les gars. J'ai l'impression qu'il joue mal ses cartes. Tu vois, les gargouilles, là, j'ai pas compris pourquoi il les a jouées comme ça. Donc, en vrai, en niveau tour, on est pas mal. C'est un bon début de game, les gars. Merci à ceux qui mettent des pouces bleus, qui s'abonnent, qui mettent la cloche. Enchaîner avec un PK fond de map. Je peux prendre quoi comme deck arène 5? C'est deck arène 5, vous conseillez quoi, les gars, dans le chat? Là, faut niquer la princesse. On va laisser faire le taf ici. Ouf, le raciste. Je suis mort. J'ai loupé ma boule de feu. Je vais perdre cette tour. Et je vais perdre la tour principale si ça continue comme ça. Oh non, le rat. Double barbare niveau 14, les gars. Théma, comment la nique? Les gars, avouez, il faut les nerfs. Avouez, il faut les nerfs. S'il vous plaît, soyez d'accord avec moi. Avouez, il faut les nerfs. Vous avez vu comment il m'a niqué ma tour? En fait, il m'a pris par surprise. Je m'y attendais pas à ce qu'il me les mette. Michou, tu joues? Vas-y, il arrive après. Je fais une dernière game. Les gars, avouez, les gars. C'est honteux. C'est que les barbares d'élite, comment ils mettent des dégâts. Niveau 14, frère. Après, il a barbare d'élite niveau 14. Gros, j'ai mes cartes niveau 12. Lui, il les a niveau 14. Tu veux que je fasse quoi, frérot? Oh, j'ai loupé ma boule de feu, non? Ok, non, c'est bon. Oh, putain de merde. Ok, parfait, il met zéro coup. Moi, je vais mettre... Ouh, aïe, 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 aïe. La horde de gargouille qui va faire très, très mal. Faut que je défende avec ça. Le temps qu'elle tue tout. Non, les gars, barbare d'élite, c'est trop punitif. Et c'est gargouille, il va me prendre ma tour. Gargouille niveau 14. Les gargouilles, elles mettent un coup, elles mettent plus que mon PK. Les gargouilles, elles mettent plus que mon PK. Les gargouilles mettent plus que mon PK, gros. Eh ouais, frère. Ok, j'ai mis pas mal. J'ai mis des petits dégâts à sa tour, mais c'est pas suffisant. Sur les gargouilles, mon archer... Faut que je garde la boule de feu pour les gargouilles, en fait, non? Je mets quoi pour niquer les gargouilles, les gars? Archer magique? Aïe, 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 ma tour qui va décéder, là. Hein. Archer magique, ça nique les gargouilles ou pas, si je le mets loin? Allez, on va jouer le dragon de l'enfer, veste dragon de l'enfer. PK électro, après. Et parfait, on est pas mal. Là, les gargouilles. Là, les gargouilles, elles vont tout tuer de toute façon. Là, je nique toutes les gargouilles avec mon archer. Voilà. Après, j'enchaîne avec mon foot gobelin. Boule de feu sur ça. Allez, mes gobelins, mettez des petits dégâts. Mettez des petits dégâts. J'ai plus de tour. J'ai fait comme j'ai pu. Hein. Oh, il me casse les couilles avec son ballon. Ballon rage, j'ai jamais vu ça. Ça joue encore ballon rage. Wesh, son truc invisible là, il sort d'où? Ah ouais, mais gros, putain. Il a toutes les cartes niveau 14, gros. Je suis censé faire quoi, moi? Non, c'est trop dur, frère. C'est trop dur. Quand les mecs qui ont carte niveau 14, je peux rien faire. Carte niveau 14 et c'est sa tour principale est niveau 11. Que je veuille ou non, c'est trop dur, les gars.
Chez Magic, il a bien démonté les gargouilles. Hein. J'attends Mich, il arrive là. Je l'attends. Bon, en vrai, faut mettre de l'argent dans le jeu. Hein. C'est pas compliqué. Hein. J'achète un livre ou pas? J'achète un livre? Ah, j'ai même pas assez pour acheter un livre. J'ai acheté un livre. Je pense que je me suis fait pigeonner. Hein. Je vais améliorer quoi avec? J'ai un livre pour ça. J'ai amélioré ma boule de feu. Voilà, j'ai amélioré ma boule de feu. Dans mon deck, elle est niveau 13. Ah, j'ai même pas assez pour l'améliorer. J'ai même pas assez. T'as pas de win condition. Bah, c'est le PK feu de gobelin, quoi. Enfin, c'est feu de gobelin, ouais. Mon win condition, c'est les feux de gobelin. Trop long à la détente, réfléchis plus vite. Eh, hey, regardez bien comment je vais fumer Michou. A votre avis, on va faire un BO5 avec Michou. A votre avis, il y a combien? Je gagne ou il gagne? Mais ouais, en vrai, vous avez raison, faut que j'améliore mes cartes, mais... Vous, elles sont niveau combien, vos cartes? Mais dites pas, vous avez mis d'argent... Vous avez mis de l'argent dans le jeu. Vous avez mis vos cartes niveau 14. À quand la vidéo au Mexique? Cet été, mon frérot. T'as même pas d'overlay. J'ai même pas d'overlay, les gars, je vous ai dit, c'est à l'arrache. Il gagne. Oh, merci Axou, merci mon ref. Il gagne. Merci, je sais pas la toile d'araignée, je sais pas encore. Hé hey, Michou! Ok, il arrive. Je vais le fumer, les gars. Rien que pour tous ceux qui disent il gagne. Regardez bien en tirage triple comment je vais l'atomiser, gros. Regardez bien comment je vais l'atomiser. Prenez-en de la graine. Hein. Combat amical du tirage triple. Voilà. Dès qu'il lance le jeu, je le fume. Retenez ça. Hein. Perso, ma plupart des cartes sont level 14 sans argent. Wesh, comment t'as fait sans argent, gros? Level 14 sans argent. Je sais pas comment t'as fait, gros. Je vais le fumer, les gars. Retenez bien. J'attends qu'il join, là. Je fais une dernière game, au pire. Dernière game avant qu'il join. Ok. Fut de gobelin. Là, je vais jouer... Ah, niveau 10, regardez. Moi, je vous le dis... Quand les mecs sont mon niveau, je gagne tout le temps. Regardez, niveau 10, je le fume. Niveau 10, je le fume. Ok, là, la princesse. Mais là, je vais gagner, par exemple. Vous pouvez en être sûr. Il a la carte niveau 12. Il a à peu près le même niveau de carte que moi. Ok. La princesse va me saouler un peu. Je vais la niquer maintenant, avant qu'elle me nique ma tour. Ok, PK vs PK. Normalement, je gagne parce que j'ai Dragon de l'Enfer. Ah, il a PK niveau 13. Ah ouais, je gagne pas du tout en fait. Ouais, ouais, il a des bonnes cartes. Il a un bon deck là. Sans argent, je pense que ça prend beaucoup de temps en fait. C'est ça le truc. Lui, faut pas que je le laisse taper en fait, non? Il faut que je le défende, sinon il va me prendre ma tour. Est-ce que je défends l'armée là? Ouais, je la défends. Hein. Ouais, il me prend ma tour sinon. Putain, ça commence trop mal la game, j'en peux plus. Oh non. Ouais, il l'a mis au bon moment. Hein. Oh, elle commence trop mal. J'ai perdu. Hein. Juste parce qu'au début de game, j'ai dit ah bah les nouveaux 10, je le bats. Là, je reprends l'élixir. Et je joue concentré. Oh, il a niqué sa bûche. Et j'ai ma tour niveau. J'ai ma tour, elle a 1000. Ok. Comment je la joue là? Ok. Il va mettre son PK. En fait, à chaque fois, il va mettre son PK. Maintenant, moi, faut que je mette mon dragon de l'enfer. Ok, son armée de squelette elle casse les couilles, mais je pense que j'ai bien joué mon fut gobelin. Ouais, je suis mort, je sais pas comment jouer, frère. Merci Axor, merci mon ref, je sais pas quoi faire, gros, je sais pas quoi faire. Ok, c'est pas terminé, Porte pas défaite trop vite, Inox.
En fait, faut que je fasse une contre-attaque, les amis. Faut qu'il mette son PK, je l'attende de mon camp et je le fume. C'est comme ça que je vais gagner. C'est la contre-attaque qui va me faire gagner. Je suis mort. Vas-y frère, j'en peux plus. Michou, viens, je te fume. Putain, je suis trop nul les gars, je suis trop nul. Avant live, j'avais 5570 et en live, je perds tout frère. Je suis trop nul. Je veux être baraque comme toi, mais je suis pas baraque en vrai moi les gars. Je suis normal en vrai. Ça va Inox, ça va et toi les gars? Vous allez comment le chat? Vous dormez à quelle heure ce soir le chat? Dites-moi vous dormez à quelle heure. Gros, casse les couilles, j'ai trop la haine. Ça dort à quelle heure ce soir les gars? Je t'ai vu en sortant à Webedia. De toute façon moi je vais pas quitter trop tard. Là je fais un BO5 contre Michou, je l'atomise et je rentre. C'est pas compliqué, c'est le planning de ce soir. Non mais tirage trip, je vais l'atomiser. Il a 120 de ping. Minuit, 23h, 23h, 23h. 5h. Y'a qui est encore en vacances là? Qui est encore en vacances? Qui ne l'est plus? Je suis au ski. Y'a plus de neige là, moi où j'étais là. Je suis parti au bon moment, y'avait plus de neige. Merci Axor pour ta donate. Merci Kurama pour ta donate. Ça dépend, ça dort pas. Ça dort pas, je dors pas. Ça va geeker ce soir. Vous jouez à quoi en ce moment comme jeu le chat? Mec, en ce moment, il n'y a pas de jeu, les gars. On se fait chier. On se fait chier, les gars, en ce moment. En ce moment, c'est période creuse. Sans jeu. C'était dard, n'empêche, quand tout le monde jouait au même jeu. Tout le monde jouait à Fortnite. Oh, en ce moment, frère. Oui, putain. Gros, je vois personne qui joue à plein de jeux ensemble. Tout le monde joue dans son coin à chaque jeu. Warzone, il y a encore des gens qui jouent à Warzone. Warzone, FIFA, Warzone. Warzone Masterclass. Ah, il y a beaucoup de gens qui jouent à Warzone, wesh. Dying Light, Warzone, Apex. Apex, il y a encore des gens qui jouent à Apex. FIFA. FIFA, les gars, ça me donne plus envie. Hein. Vraiment, moi, FIFA, c'est plus trop mon délire. Peut-être au prochain FIFA, mais là... C'est vrai que Warzone, il y a pas mal de gens. Putain. Wesh. Ouais, j'étais à Villefranche avec Capri, ouais. Ouais, BG. League of Legends. CSGO. En vrai, c'est un peu... J'ai l'impression que tout le monde joue à Warzone, hein. Il y a beaucoup de gens qui jouent à Warzone, hein. Et Apex, ça m'étonne aussi, parce qu'Apex, ça date, hein. Qu'il y a encore des gens sur Apex... Forza Horizon. Genshin Impact. Il y a beaucoup de gens qui jouent à Genshin Impact. Forza. Minecraft mode. Warzone, FNAF. Méga chevalier. Putain, il fait quoi Michou? Trop de temps. Gros. C'est qui ça, ABT? Ah, c'est aberrant, c'est GMK. Attends, je vais l'affronter. Attends, c'est GMK. Ah. Attends, faut qu'il accepte. ABT, il s'est appelé aberrant sur le jeu. Merci Max. Faut qu'il accepte. Je sais pas s'il va accepter. ABT, combat. Accepte, sale géant royal. Oh, il a accepté. Oh, je vais l'atomiser. Et si j'aime Kameba, j'arrête Clash Royale. Alors, je l'ai dit, si j'aime Kameba, j'arrête Clash Royale. Retenez bien. Hein. C'est qu'il y a moyen, il me fume. Hein. GMK il me bat, j'arrête Clash Royale. C'est officiel. Là les gars je suis contre GMK. Je vais l'atomiser. J'ai un deck pas incroyable. Prendre ça. Ok. Géant. Je vais faire un combo Je vais faire un combo géant ouais. Géant bourreau. Les gars je suis contre Clash Royale. Je suis contre GMK. Je vais l'atomiser les gars. Déjà il prend 100 ans à choisir ses cartes. Ce jeune soldat miteux. Oh le cafard. Je vais voir comment il joue.
S'il me bat, j'arrête. J'arrête le jeu. Ok. Comment est-ce qu'il va jouer? Oh putain, ouais. Il est agressif le coco. Ouais. Il est agressif, il a pas vu le géant là-haut. Oh mon dieu, la tornade. Merci MRT pour son sub. Ah ouais, aberrant, aberrant. Aberrant, il a pas vu le géant. Ah. Aberrant. Non là c'est miteux. Est-ce qu'il va défendre le géant là? Attends, mais il a mis où le séisme là? Il a mis le séisme sur son dragon en mode ça va booster son dragon. Oh la tornade! Oh la tornade! Oh la tornade de pro player! Oh la tornade! Attends, on va lui faire 3 étoiles. Oh non, c'est aberrant. La gargouille, elle va tuer sa tour, regardez. Ah non, il a défendu. La défense est miteuse. Je vais l'appeler après, il va rager. Regardez, le push final. Hein. Push final, c'est parti. 3 étoiles, le push des 3 étoiles. Hein. Oh. Il a les crocs, GMK. Hop. On va juste mettre le petit géant ici. Regardez le pêcheur, on va ramener le golem de ce côté. Oh non, ça a pas marché. Il a plus de tour. Et là-haut, il a plus de tour. Attends, je vais l'appeler. Aberrant. Il y a un problème. Non, mais il y a un problème. Non, non, mais attends. Tu joues avec mes cartes, ouais. Moi, je suis habitué à jouer avec des cartes, frérot. Là, je t'aurais niqué avec mes cartes. Ah, mes cartes, je sais même pas c'est quoi. Ah, avec tes. Vas-y, bah, attends, on joue avec tes cartes. On joue avec tes cartes. Je joue avec mes cartes, frère. Mes cartes, c'est mieux, frérot. Comment mais tu sais que dans. Le tournoi, c'est comme ça, hein. Ça va être comme ça, ouais, le tournoi. Faut qu'il me débloque les personnages. Je peux pas m'entraîner, alors. Mais si, faut que tu t'entraînes en tirage triple. Faut que tu t'entraînes en tirage triple. Parce que là, moi, je joue avec mes personnages que j'ai choisis et tout, frère. Je vais t'entraîner. Vas-y, accepte, là. Accepte avec tes persos. Aberrant. Accepte avec tes persos. Eh, les gars, aberrant, regardez bien. Il a dit, ouais, mais moi, je joue avec mes personnages, hein. Regardez bien. Les gars, avec ses faut qu'on lui mette l'amende avec ses persos. Il va prendre trop le seum. Il va dire, mais gros, là, t'avais tes persos. Faut qu'on te fume avec ses personnages. Attends, pourquoi il accepte pas là? Combat amical. Non, j'ai mis braquage. Combat amical. 1v1. Faut qu'il accepte. Tu fais des autographes mercredi, je suis de Roubaix. Ouais, alors je ferai des photos avec vous à Roubaix. Merci MRT. Je sais pas si je pourrais faire avec beaucoup de gens parce que je serais fatigué, mais. Kouzikas, Anaya et Maëlys. Wesh, pourquoi il accepte pas là? Cafard! Attends, je vais l'appeler. Je le rappelle. Ouais. Accepte! Ben ça marche pas, frère, j'ai rien. Attends. Tu as là ou pas? Ben non, mais je suis au téléphone en même temps, c'est pour ça. Ah, vas-y. Bah, au pire, tu cliques sur moi, tu fais combat amical. Bien, yeah, mais c'était en gris. Et tu mets tout en bas combat 1v1c1. Ouais. Je t'ai invité. Là, j'ai trop envie de fumer avec son deck. Oh, c'est bon, c'est bon. Ok, là, les gars, il a son deck. Là, il a son deck. Ok, c'est parti.
Il va défendre comment ça? Ah ouais, il le défend même pas. Ok. Les gars, j'ai pas le droit de perdre. Interdiction de perdre contre GMK. La bourlingueuse, faut pas que je la finisse. Faut que je la laisse taper dans ma tour, pas grave. Fait des dégâts. Ok, il a la bonne technique. Ok, il sait défendre. Hein. Je vais pas le sous-estimer parce qu'il va me la mettre sinon. Ok, il utilise le fût. Comment il va défendre mon fût de gobelin? Ok, il le défend pas. Ok, son erreur c'est pas de défendre mon fût de gobelin. Ok. Est-ce qu'il vient? Parfait. Merde, j'ai mal posé. Putain, fais chier, j'ai posé au mauvais moment. En vrai, il a un bon deck ou pas, les gars? En vrai, il m'a l'air d'avoir un deck pas mal, hein. J'ai pas le droit de perdre, les gars, j'ai pas le droit de perdre. Si je perds, c'est miteux. Est-ce qu'il va utiliser le flux, là? Là, on va voir si... Ok. Non, normalement, je lui prends sa tour. Presque. Ok, parfait. Il a utilisé l'armée de squelette. Ok. Ok, il aura pas ma tour. Merci à Aizuki. Aizuki, merci mon ref. C'est bon, là, j'ai mon combo, il est mort. Ok, j'ai rien dit, il est pas mort. Attends, je vais tenter un combo. Ok, il est mort. En vrai, il avait bien commencé, les gars, non? Vous en pensez quoi? Il avait bien commencé, j'ai l'impression. Là, j'envoie les gars, j'envoie mon combo. Double dragon de l'enfer, double sorcier. C'est fini. Je vais l'appeler, attends. Mais frère, ces personnages ils sont beaucoup mieux que les miens, gros. C'est un bâtard là. Ces personnages ils sont beaucoup mieux que les miens, frère. C'est les personnages du début, moi, frère. T'es personnage. Mais oui, frère. T'as vu mon sorcier? T'as dit quoi? Hein? Mon sorcier? Mais frère. Mais non, mais t'as des personnages de ouf, toi, frérot. Moi, j'ai des trucs. Tu vas du début, des new, frère. Non, mais de toute façon, dans le tirage, tu pourras avoir tous les persos. Dans tous les cas. Mais je sais pas jouer les autres. C'est ça le problème. Moi, j'ai mon deck maintenant. Je sais jouer ce deck-là. Après, j'ai pas le temps de m'entraîner d'apprendre tout le jeu, mon rêve. Mais moi, je vais t'apprendre. Mais frérot, je pourrais jamais apprendre tout le jeu. Mais si, en plus, toi, mais t'es si. Nul, j'ai vu, t'as perdu tous tes combats, frère. Je t'ai regardé avant, tu t'es fait mettre à la montre. Eh, hey, mais gros, moi, je suis contre des mecs qui sont plus forts, donc c'est pour ça. Aberrant, frérot. Aberrant. Mais hey, t'inquiète, frérot. je vais t'apprendre. Viens, on refait une partie, frère. On refait une? Mais viens, on fait un tirage triple. Mais non, c'est pas... faut que tu m'apprennes avant. Viens, on en fait une comme ça déjà. Vas-y. Vas-y, bon. Gros, c'est trop. Merci Arthur. Je l'avais déjà dit qu'il y avait GMK pendant le live. Les gars, faut qu'il se fasse entraîner, GMK. Il va arriver, il va être déboussolé, le pauvre géant. Ma mère dit que je devais dormir, mais tellement je voulais te regarder, j'ai pris mon tel en secret. Oh les gars, dans le chat. Un max de thug pour Ethan, le thug là, qui a son téléphone sous le coussin. Ethan, le thug, il est chaud. Il est très très chaud, le thug. Fais attention à ce que tu fais avec ton téléphone. Wesh, il accepte pas, là. J'attends Michou, je fume Michou et après c'est bon, on est tranquille. Ah, il a refusé. Je crois qu'il a pas fait exprès.
Et là, le but, c'est qu'il touche pas ma tour. Je suis qu'un thug, ouais. Ok, il met Valkyrie. D'accord, pas de soucis. Nous, on va partir avec un PK. On défend la Valkyrie. Regardez bien, il va mettre le chevalier ou le PK ici. Hein. Je le connais maintenant. On me la fait pas, moi. Ok, non. Une mission fuite gobelin. Ok, parfait. Ouais, là, j'ai le combo. Il est mort. Regardez bien. Il est mort. C'est fini pour lui. Merde. J'ai fait le con. Oh, j'ai fait trop le con. J'ai mal mis mes cartes. Oh, il a failli me choper la tour. Il va mettre son fût là, non? J'ai les deux tours là. Oh non, il va rager. Je suis qu'un tag. Voilà. Plus de gobelins. Là, s'il défend pas le dragon, il est mort. Ok, il a bien joué, il a défendu le dragon. Mais il devrait la jouer plus souvent parce qu'elle est forte. Hein. Je fais quoi, les gars? On prend la tour de droite ou on va direct celle du milieu, le chat? Bon, allez, vas-y, on va le manger à petit feu. Parfait. Malheureusement, mon sorcier, il est pas bien. Hop, on met ça là. Il a mal mis sa horde de squelette. C'est fini pour lui. Hop, on termine la tour. Allez, celle du milieu direct. Ça dégage. On n'a plus le temps à perdre. Pourquoi il a pas utilisé son fuite barbare? Ah ouais, il l'avait en retard. C'est fini. Bien joué, mon jeune avérant. Je lui donne une tour, allez, pour lui faire plaisir. Allez, je lui donne pas. Ah! En vrai, il a failli avoir une tour. Regardez ce qu'il va dire. Ouais, mais j'ai failli t'avoir une tour. En vrai, il 28 HP, il doit avoir le seum. Ouais, allô. Allô. Ouais. Ouais, gros. Ouais, gros, ça va? Ouais, j'ai le seum, frère. J'ai envie de tout péter, là. Les mains, je suis au resto, je crie et tout. Je suis seul au resto, je suis en train de crier, frère. T'inquiète, je vais t'entraîner, jeune gobelin. Mais je suis pas nul, non, franchement. Non, en vrai, ça va, t'es... Ouais, non, t'es nul, quoi. Ça va. Ah, je suis nul. Non, mais parle sérieux, frère, j'ai fait des progrès quand même. Frère. Non, en vrai, t'as fait des progrès de ouf. T'as mieux placé ton PK là. T'as mieux placé ton PK. C'est quoi PK? C'est quoi mon PK, frère? Ton PK? C'est un personnage. C'est, tu vois le truc que tu lances là. Je prends la honte le jour du tournoi, frère. Je peux pas perdre au premier mais tour. Tu vois le truc de tonneau? Le tonneau, c'est le PK. Le tonneau que t'envoies, c'est le PK. Vas-y, viens, si on tombe l'un contre l'autre, laisse-moi au moins un peu, frérot, bagarrer, frère. Vas-y, je te laisse te bagarrer. Je te laisse te bagarrer. Tu sais quoi? Si, tu sais quoi, au tournoi, tu seras dans mon équipe. Ah ouais, ça veut dire... Ah ouais, comme t'es ultra nul, comme moi, je suis le meilleur du tournoi, je te mettrai avec moi. Mais attends, mais frère, il y a des plus nuls que moi, il m'a dit, le mec. Ouais, ouais, de ouf, ouais, il y a des plus nuls que toi, ouais. Qui ont moins que 1000 trophées? Ouais, non, y'en a, ouais. Non, mais frérot, qui ont moins que 1000 trophées, y'en a. Frérot, non, mais me ramenez pas pour que je me fasse défoncer, frérot, tout le monde me pisse dessus, frère, sinon je le fais pas, frérot. Je peux pas, frère, être le pitre du truc, frérot. Non, sérieux, frère. Non, t'inquiète, tu seras avec moi. Non, mais frère, je compte sur toi, frère. Mais moi, je te fais confiance, je vais pas me prendre. T'inquiète, je vais t'entraîner. Non, mais y'a pas d'entraîner pour entraîner, frérot. Tranquille, je vais pas aller prendre la chômage. T'inquiète, fais-moi confiance. J'arrive qu'il y a que des mecs qui jouent bien, frérot. Je vais te faire piétiner, frérot. Non, t'inquiète, fais-moi confiance, on est tous les deux. Ouais, ouais, bah justement, c'est ça qui m'inquiète. Qu'on est tous les deux, frère. Oh non, je t'ai mis ça à l'heure. Ah ouais, c'est aberrant, frérot. Ils m'ont banni mon TikTok à cause de toi. Ouais, je sais, t'inquiète, ils vont te déban. Ils vont te déban. Vas-y, bah bisous, mon petit poulet. Vas-y, gros. Bisous, mon ref, bisous.
fais gaffe pour ton défi Paris-Roubaix. J'ai un pote à moi, il avait notre âge, 2002. Il a fait 120 km, il est mort, le pauvre. Il a fait une crise cardiaque, c'était l'année passée, il avait 19 ans. Jure, Afkir. Merci, mon ref. Hein. Jure. Mais il avait des problèmes cardiaques ou pas Ouais, en vrai, c'est chaud. C'était un pote à toi? Il a fait 101 km, il est mort, le pauvre. Il a fait une crise cardiaque à 19 ans. Les gars, un maximum de cœur pour le pote à Afkir dans le chat. Désolé d'en parler en comme ça, Afkir. Mais t'inquiète, je ferai attention. De toute façon, il y a une équipe avec moi et tout, mais... En tout cas, grosse pensée à toi, mon frérot. Tout le chat pense à toi. Je vais lui expliquer les bases à GMK. Je vais l'appeler, je vais lui expliquer. Bon, les gars, j'ai l'impression que Michou veut pas jouer, frère. Ça fait 40 minutes que j'attends, frère. Je pense que je vais arrêter là, les gars. Merci à tous ceux qui ont été là. J'espère que vous avez passé un bon moment, le chat. Ça fait plaisir. Est-ce que vous avez kiffé le live? En vrai, les gars, j'ai pas live longtemps. J'ai pas roubé et tout. Et j'ai pas pu faire un live très long. Et malheureusement, vous allez pas me voir revenir en live rapidement parce que bah, je vais me la tuer pendant 2 jours en vélo là. Donc, comment vous dire que je dois me préparer mentalement? Je suis pas là demain et je suis pas là la semaine aussi parce que je vais devoir me reposer après l'effort. Donc voilà, on se retrouve en live. Je pense que je reprendrai les lives lundi. Avec un peu de chance, je serai au taquet lundi. Voilà, souhaitez-moi bonne chance. C'est la dernière fois qu'on se voit avant le live de la semaine prochaine. Et sur Insta, je serai sur Insta. Et pour tous ceux qui veulent venir me voir à Roubaix, vous aurez tout en story Insta. Je vous dirai l'heure où j'arriverai à Roubaix. Et voilà, la vidéo Paris-Roubaix sortira mi-mars. Donc il y aura 2 semaines de montage une fois que j'aurai fini. Je vous dirai pas si j'ai réussi ou si j'ai pas réussi. Parce que ça se trouve, j'aurais pas réussi le défi. Et quand vous verrez la vidéo, je l'aurais pas réussi. Ça se trouve, je l'aurais réussi. Comme ça, vous gardez le suspense. Je vous spoilerai rien. Voilà, merci à ceux qui me souhaitent bonne chance pour cette compétition de vélo face à moi-même. Sachez que c'est le plus dur défi que je me fais de toute ma vie, je crois que c'est un des plus durs défis. Ça, mine de rien, ça a pas l'air compliqué pour grand monde, mais pour moi, faire du vélo 320 bornes sans avoir jamais fait de vélo de ma vie, vous avoue, ça me fait un peu flipper, mais je suis déter. Avec PA, on va y arriver. Et voilà, sachez qu'il faut que je réussisse ce challenge parce qu'il y en aura un plus dur. Cet été, parce que cet été je dois survivre une semaine sur une île déserte tout seul. Et je vous promets qu'il y aura une vidéo qui sortira où je survivrai 7 jours sur une île déserte. Donc si je suis pas capable de faire 320 bornes, c'est que je suis pas capable de faire 7 jours tout seul sur une île. Donc mentalement, je n'ai pas le droit d'échouer. Et je n'échouerai pas. Et on y arrivera, vous inquiétez pas. Rendez-vous la semaine prochaine, les gars. Des gros bisous tout le monde, on se voit sur Twitter. Je suis là, ouais. Gros, moi je vais y aller, frère. Moi, je vais y aller, gros. Gros, on fait un combat, alors. Donc, vas-y, bah, je fais un dernier combat, les gars. Mais voilà, en tout cas, les BG... voilà. Et mercredi, pour tous ceux qui veulent, mercredi 18h30, je fais une annonce sur les réseaux. Soyez à l'affût. Je vais balancer un petit truc, ça va être cool. J'espère que ça va vous plaire. Pour tous ceux qui kiffent le rap, soyez à l'affût mercredi 18h30. Merci à Arnaud pour ton sub. Et merci pour tous ceux qui me disent bonne chance, les BG. Esprit shonen. Ouais. Avant de quitter le live, tu peux écrire. Merci, mon ref. Prends tout ton temps. Montre la figurine de Madara. Regarde, elle est là. Elle est sur le teko là-bas. D'ailleurs, je vais recevoir des nouvelles là. Je vais recevoir. Vous voulez que je vous montre la figurine que je vais recevoir, les gars? Qu'est-ce que vous voulez que je vous montre? Vous allez. Je vais recevoir elle. En avril, je vais recevoir elle. Elle est pas incroyable, les gars. Je vais recevoir elle. Normalement, je vais recevoir elle là. C'est la grosse figurine. Et je vais recevoir Tsume Dragon Ball Z. Je vais recevoir elle. Comme ça, la Vegeta. Et le Kaioken Goku. Je vais recevoir les deux. C'est une pièce séparée. C'est elle avec elle. Tu les mets en face, ça fait les deux. Et je vais recevoir Zoro Tsume. Je vais recevoir elle aussi. Comme ça là. Elle est pas incroyable, les gars. Elle est insane.
Oh waouh. Wano. Voilà. C'est les figurines que je vais recevoir là. Elles sont insane. Hein. Bon, en vrai, ça va, c'est pas spoil, les gars. C'est pas spoil. C'est pas spoil. Ah oui, il y a des mecs qui ont pas vu Naruto. Il y a des mecs qui ont pas vu Naruto entier. Je vous ai pas spoil. La figurine, il y a rien dessus. Faites pas gaffe, faites pas gaffe. Je suis désolé, les gars. J'ai même pas tilté en fait. J'ai même pas fait exprès, les gars. Je suis désolé, ceux que j'ai spoil. J'espère que je vais pas spoil. Incroyable la figurine. Ah, gros, elle est incroyable. Hein. Elle est incroyable. Mais j'aurai pas la place dans le studio. C'est-à-dire que je vais la déballer, je vais attendre d'avoir mon chez-moi. Malheureusement, ça fait un an que je dois habiter tout seul et j'ai des problèmes avec la mairie qui me casse la tête pour faire ce que j'ai envie de faire. Du coup, ça fait un an que je peux pas habiter tout seul, donc je dois attendre encore. Et une fois que je peux habiter tout seul, je me ferai mes petits trucs, je mettrai mes petites figurines et tout. Désolé les gars, ce que j'ai spoil, j'ai même pas fait exprès, frère. Ouais, Michou, c'est bon ou pas, là? Wesh, frère. Oh, une heure, je l'attends, frère. Le spoil qui fait mal. Ouais, bah après, les gars, ça fait longtemps, Naruto, c'est sorti aussi. Mais bon, je comprends qu'il y en a qui n'aient pas vu encore, donc... T'as un conseil pour Backblonde français? Ah, frérot, apprends. Il y a que ça à faire, apprendre par cœur. Elle est moche la figurine. Ouah, comment ça elle est moche la figurine? Ouais, la figurine les gars que je veux c'est elle. Enfin que je voudrais mais large plus tard. Barbe noire Tsume. T'es mal à la tête de la figurine. Tu sais quelle taille elle fait? Elle fait ma taille frère. Elle fait ma taille gros. Comment elle est énorme gros. Elle fait ma taille. Elle est énorme. 100 cm c'est 1 mètre. Elle fait 1 mètre de haut frère. T'es mal le trou noir de la figurine, comment elle est insane. Ça, c'est l'arrière. Il y a une mini ville et tout, frère. Oh, elle est insane celle-là aussi. De toute façon, Barbe Blanche, c'est le meilleur perso. Hein. Mec, il est incroyable ce perso, Barbe Blanche. Bon, là, c'est Barbe Noire, mais l'autre, c'est Barbe Blanche. D'ailleurs, les gars, faut que je fasse un live sur les animés aussi. Je vous ai promis qu'on allait en faire un. Ça vous chaufferait ça, un live où on parle d'animés? Bon allez, je fais un combat contre Michou et après j'y vais les gars parce que ça fait un peu longtemps que je l'attends. C'est la figurine que t'étais voir? Ouais, je l'ai vu bah, dans le VDI, ceux qui ont vu le VDI, je l'ai vu dans vidéo celle-là. Force à toi 5 millions. Bientôt les gars, bientôt 5 millions, ça fait plaisir. Vous savez, je suis top combien en France? Je suis top 40e youtubeur. En vrai, je suis loin. En vrai, je suis loin mais bon. Ok, on va prendre poison, je pense. Est-ce que je prends barbare d'élite ou PK? Je pense que je vais prendre le PK pour défendre. Bûche. Là, il me faut du tank. Je vais prendre ça. Pour défendre son truc. Je vois bien un petit chevalier. Mortier. On va le jouer comme ça. J'ai un deck bien ou pas? J'ai fait des bons choix, le chat, ou pas? Fais un concept où tu fais un gros placement de produit et tu fais des cadeaux aux abords, aux abos. En vrai, je peux le faire ça un jour, hein, les gars. Je sais que Michou l'a déjà fait, mais... Non, moi, j'aimerais bien faire un gros placement de produit. Et si le rêve d'un abo, c'est de vivre dans un autre pays, je lui paye sa maison. Je lui paye sa maison et je lui dis, tiens, vis dans ton pays que t'as envie de vivre. C'est cool ça par contre. Wesh, comment ça me ralentit mon PK? Ok, là la hutte de gobelin, faut que je l'élimine le plus rapidement possible. Ok, ça sert à rien de mettre des trucs en masse parce que ça le nique tout. Ok, donc là je suis dans une belle merde. Ok, il a
caverne de gobelins plus cimetière, donc mon mortier sert à rien, donc j'ai perdu logiquement. Comment je gagne le chat là? On m'explique ou pas? Logiquement c'est loose, non, si on parle ça. J'ai rien faire là. J'ai bien placé mon sort normalement. Mais logiquement, c'est bien loose comme il faut. Hein. Faut que je mette mon mortier ici, peut-être, non? Ok, il va mettre son cava bélier. Ouais, je peux rien faire, putain. Ouais, il va mettre son cava bélier, c'était sûr. Ah ouais, son sort, il nique tout, frère. Je peux pas gagner, les gars. T'as perdu, il a tout pour te counter. Comment je peux gagner le chat? Dites une astuce là maintenant. Il a tout pour me counter, hein. Faut que je le prenne par surprise. Je peux pas gagner en fait. Je peux pas gagner, impossible. Il a mon deck counter là. La bûche Shanix, l'artificiel ou pas? Je crois pas, hein. Ouais, je peux rien faire. Je suis mort dans le film là. Je peux rien faire. J'ai pas vu son deck, qu'il avait tout ça dans son deck. Je vais essayer de choper la tour là-bas, mais ça va être chaud, hein. C'est mal l'armée qu'il a de ce côté là. Je peux rien faire. J'ai le pire deck. Prince suivi de bûche. Ouais, moi je peux rien faire. Il m'a défoncé. Il m'a défoncé, gros. Je vais faire un BO3, je vais faire le premier en deux. Après j'y vais. Première game, j'ai fait de la merde. J'aurais pas dû prendre le mortier. Mais en fait, même il avait. En fait, lui, Michou, je sais qu'il prend tout le temps les bâtiments. Donc faut vraiment que je le nique avec ses bâtiments. Ton counter, sa cavabier, c'est l'électro-dragon. Ouais, j'aurais peut-être dû utiliser ça, t'as raison. Ok, je vais prendre la fourreuse. Ensuite, bouliste, j'aime bien le jouer. Je vais prendre poison. Je vais prendre... La boule de neige est bien, le chat, ou pas? Est-ce que la boule de neige est bien, les gars? Putain, la fournaise. Putain, mais pourquoi la fournaise? On va jouer avec ça. Ok, on va prendre ça. Et ça. J'ai aucune win condition. Merci Jonas. J'ai la seule win condition, c'est la fournaise. Comment je le joue ce deck là, le chat? Je pense qu'il faut que je joue ultra défensif et que je gratte avec le poison. La boule de neige, faut que je la joue comment, le chat? Pas comment la jouer, la boule de neige. Merci de naufrager YouTube pour ton sub. C'est finito, t'as perdu. Ah ouais? Je pense que j'ai fait un choix de merde alors. En fait, la fournaise, ça, elle va me casser les couilles. Faut que j'annique au poison sa fournaise. Je sais pas ça fait, si ça lui fait vraiment mal. Ok, si ça nique ça nique sa fournaise. Donc ça, j'ai son counter. Je mets le poison. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je mets le poison. Très bizarre ton deck. C'est vrai qu'il est très... Ok, ça j'ai le counter. Alors là on va voir comment il défend. Putain, je suis dans une belle merde. Ok. Fais chier. Je peux rien faire, ces fournaises elles me niquent. Oh gros, il me prend ma tour.
Putain, ça me saoule, il me défonce tout le temps. Boule de neige ralentie. Ok. Lui, en vrai, il sert à rien pour l'instant. Ok, on va garder le bouliste. Ok, il le joue comme ça. Il va mettre ses cochons là. Ses cochons bizarres. En vrai, je peux tenter un truc. Hein. Bouliste pour niquer ça. Ok. Là, je vais faire une attaque. Merde. En vrai, ça peut faire du taf là-bas. Ça peut faire mal, hein, ce que je viens de faire là, non? Je peux choper la tour ou pas là? Ok, bien joué. C'est une blague? C'est une blague, j'ai pas la tour? C'est une blague? Oh la chatte. Oh la chatte. Oh la chatte. Oh la schneck. Oh la schneck, mais gros. Oh la chatte. Vous savez que j'aurais pu gagner là. Au x3, mon deck était surcheaté, je pense. Hein. Gros, la schneck, gros, c'est trop. Ok, j'ai capté comment le niquer en fait. En fait, faut pas qu'il prenne la confiance. Genre, là, je prends ça. Fournaise. Là, j'ai l'avantage. Là, ta. Je pense ça nique tout. Je prends quoi, MK? MK, je pense, hein. Je l'attends au MK. Boule de neige. Boule de feu. Et, ok. Là, je peux gagner. Là, j'ai un bon deck. Tu joues trop agressif. Les gars, je suis agressif? Je suis trop agressif ou pas dans le chat? Soyons honnêtes. Là, si je perds, j'arrête. Si je gagne, je continue. Là, faut que je le fume. Il m'a l'air de beaucoup réfléchir, le poteau, là. Là, je peux gagner en vrai. Merci les naufragés pour ton sub. Merci ma Wally. Ok, là, je nique plus d'élixir. Lui il va prendre sa boulette. Ok, donc là, j'ai l'artificière pour défendre. Ça, son gobelin, faut pas que je le laisse gratter. Hein. Faut pas que je le laisse gratter. Parce qu'il va gratter que avec ça. Hein. Ok. Sa Tesla, elle tue mes trucs, ok. Est-ce que je nique sa Tesla avec l'artificiaire? Ok. Logiquement, je vais faire partir le prince. Ok, non. Putain, sa fléchette, elle est bien. Putain, lui, il m'a bien gratté ma tour. Hein. Ok. Comment je nique ces trucs là? Faut une artificière, ouais, il me faut l'artificière. Ça nique ces gobelins. Et normalement. Putain, c'est dur. Hein. Là, c'est dur comment je le nique, je sais pas comment je vais faire. Si elle met un coup, je. Oh putain. Là, il va mettre son petit truc, là, c'est sûr. Là, faut que je mette artificiaire chevalier. Ok.
Lui, je vais lui mettre sa boule de feu. Putain, j'arrive pas à avancer là. Mon MK, je l'ai même pas utilisé, les gars. Gros, il a tous mes counters. Oh non. Gros, il me défonce, hein. Je fais un dernier combat, si je perds, j'arrête. Gros, il me défonce, gros. J'arrive pas à le niquer. Attaque l'autre tour. En vrai, j'aurais dû attaquer l'autre tour. En fait, le problème, c'est que je suis trop focus sur une tour. Faut que j'arrive à dévier de tour. Je suis sûr que ça peut le niquer en mode il s'y attend pas. On va taper taper ça. Ça, je pense Michou va pas le gérer. Ça. Le zappy, il me faut un truc pour l'arrêter son zappy. J'ai rien pour arrêter son zappy. Ok, j'ai ça, mais ça va pas le faire. Dommage, j'avais bien commencé, mais ça grattait trop son deck. Et là, j'ai un deck de merde. Hein. En vrai de vrai, je pense que j'ai un... Je pense que j'ai un deck de merde. Tu joues trop défense 6. Bah, un moment, on me dit tu joues trop attaque, un moment, on me dit trop... trop défense. Fais chier, quoi. Après, moi, je regarde pas ses cartes. Là, je choisis mes cartes en fonction de moi, je regarde même pas ses cartes. Je sais même pas il a quoi comme dans son deck. Je pense que j'aurais dû regarder son deck. Il a zappy, je sais juste qu'il a un zappy. Je pense que le bourreau il est pas mal. Et là j'ai niqué beaucoup d'élixir. Comment je le défends ça? C'est quoi cette carte trop surcheatée là? On va voir là comment il défend tout ça. Logiquement, il a plus de Tesla là. Je le vire. Ok, le poison va niquer son sorcier. Là, j'économise. Ok, le canon ça counter bien, mais bon, il arrive quand même à mettre pas mal de dégâts. Hein. Ok, ça il me faut le bouliste pour défendre ça. Ça faut que je défende au bouliste. Cette game je la perdrai pas. J'ai le Cavabelli, hein. Ça faut que je l'attaque. Hein. On va mettre le bouliste. Aïe aïe aïe, le zappy. En vrai, c'est bon, je pense que j'ai bien joué ça. Hein. Ok, je sais ce que je vais faire là. Aïe, aïe, aïe. Ok, ça on va le niquer avec ça. Il va envoyer ses cochons. Oh non, il est sorti du... Ok. Il va mettre sa Tesla. Parfait, ça tape.
Il va me prendre ma tour. Heureusement, mon bourreau, je l'ai bien mis. Ah, il est mort. Ouf, ok. Merde. Parfait, go, on envoie Cavabellier. Nique la Tesla, nique la Tesla, nique la Tesla, vite, 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 nique la Tesla. Putain, j'ai pas de chance, fais chier. C'est pas grave. Il m'a envoyé ses cochons. Ses cochons d'Inde là, de merde. Aïe aïe aïe, je perds l'avantage. Ok, on va renvoyer ça ici. Allez, mets une boule. Ok, non. Okay, c'est pas grave. En fait, j'arrive pas à jouer mon sort de zap. En fait, son zappy en x3 là, comme actuellement, il me fait trop mal. Oh merde, j'ai pas vu ça. Et là, j'ai joué mes cartes comme un baiser. Non, je me suis trompé ma bûche. Ah mais c'est fini. C'est fini les gars. Oh non, j'avais pas vu que c'était fini. Mais gros, j'ai trop le seum. Le problème c'est quand tu mets tout derrière les persos, tu laisses le temps de recharger. En x3, faut pas que je mette mes persos derrière la tour les gars. Vas-y, j'en fais une las de las. C'est la las de las. S'il gagne, il gagne. Mais les gars, je comprends pas. Tu joues très mal le canon. Ouais, faut que je regarde ces cartes là, il faut pas que je fasse le con. J'ai en royal. J'ai en royal. Il a un zappy. Ok. J'ai en royal, je prends le PK. Il va prendre le bully, c'est sûr. Je vais prendre le gel. Je prends le gel, il va pas s'y attendre, faut que je le sorte au bon moment. On va prendre le pêcheur. Je pense que j'ai un deck pas trop mal en vrai. Tu choisis mal tes cartes. Le bullis devant la tour des cochons passe pas. Les gars, quand je mets le bullis devant la tour, les cochons ils passent ou pas? Putain, le chat, j'ai trop le seum. En fait, tu tempo pas assez ton RCR. Il faut que tu arrives à tempo ton RCR en fonction des attaques qui peut te permettre. Par exemple, là, t'avais le feu à gobelin en face. T'aurais dû hâte ton fût. Putain. Le connaissant, il a dû prendre son cavabellier là. Normalement, j'ai de quoi le défendre, son cavabellier. Cavabellier, les gars, je le défends avec quoi? On est d'accord, je le défends avec le pêcheur. Ok, Valkyrie, je vais la défendre avec mon PK. Là, c'est bon, je vais le fumer, les gars. Ok, il aime bien jouer lui. Cavabellier. Oh non, pourquoi ça prend lui? Oh, j'ai le seum. J'ai perdu plein de trucs pour rien là. Fais chier. Comment il va défendre mon genre royal? Regardez bien, le gel là. Ah, il sert à rien le gel. Il sert à rien là le gel. Ok. Mmh.
Oh, mais je mets mal mes cartes comme un trou du cul. Bon, je mets trop mal mes cartes là, ça me casse les couilles. Concentre-toi, arrête de faire le con, Inox. Oh, à gauche ça fait mal, c'est bien. Ça va, Valkyrie. Elle va toucher. Il a séisme. Ma tour est dans le mal. La KLR, tu mets pêcheur et PK. Ouais, bah je sais, sauf qu'il met. Il colle les troupes. Du coup, mon pêcheur, il peut pas la prendre bien. Ok. Pas mal, j'ai mis pas mal de dégâts. Ok. Canon encore. Ok, l'électrozap. Wow, la défense qu'il a mis là. Il s'est pas fait chier le poteau. Hein. Là, il va mettre son cave à bélier, je pense. Allez, prends-la. Putain. Oh, il me défonce, ça me casse la tête. Oh non, j'ai mal mis. Je vais encore perdre, les gars. Putain, je vais encore perdre. Je suis yombe. Ouais, je suis yombe. My bad, hein, frère. Je joue comme une bite, hein. Je joue comme une bite, les gars. Putain, je me fais laver. Mais je comprends pas qu'est-ce qui me nique là, dans comment je joue. Je comprends pas ce qui me nique. Gros, je fais trop de la merde. Soit je choisis mal mes decks. Soit c'est vraiment je fais de la merde. Fut de gobelin. Là normalement j'ai de quoi défendre. Ça, ça défend. Ça. Là, logiquement, je suis censé avoir un bon deck, là, non? Poison. Là, normalement, je suis censé avoir un deck qui gratte, non? En fait, le gel, il m'a servi à rien. Allez, là, c'est la dernière DDR. Là, c'est la dernière DDR. Après, il faut que j'aille me coucher. En fait, faut que je sois intelligent, en fait. En fait, je réfléchis pas. J'utilise mon cerveau comme une merde. Je prends mes cartes à la va-vite. Allez. Celle-là, je la gagne et je vais dormir. Là, j'ai un deck de gobelins. Ok. Mais pourquoi il prend cette carte tout le temps? Ça, ça va gratter petit à petit, ça. Merci à Mouali, j'essaye de regarder, mon ref. Miaoli, merci beaucoup. Son canon, je le défends avec quoi, les gars? Artificière, hein. Oh non. Il a le dragon. Oh non. Oh là, je suis yombe. Là, je vous le dis, ça craint pour moi. Ça craint pour moi. Ouh, 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 ouh. C'est bon, il va encore m'enculer. Il va encore m'enculer. Hein. En fait, je regarde même pas ses cartes. Je me fais baiser à cause de ça. Je sais même pas quoi faire. Hein. Je me fais défoncer.
Merci Noah Crary. En fait, son dragon de zap là, il me pose. Ok, c'est quoi? T'as des couilles ou t'en as pas? PK en plus. Oh, mais je peux rien faire. Oubliez-moi. 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 Oh, je peux rien faire. Il a toutes mes. En fait, il regarde mes cartes, les gars. En mode avant la game là. Il regarde ce que je peux prendre. A chaque fois il me counter. Gros. C'est bon, si tu veux que je te dise quoi, je vais m'entraîner. Mec, je vais m'entraîner, je vais le soulever. Gros, je vais faire que du triple exir toute ma vie là, jusqu'au tournoi. Gros. Vas-y, nique ta race. Je quitte, je rage quitte. Hein? Je rage quitte. Vas-y, une dernière. Putain, il me défonce, frère. Ok, là, regardez bien, je me concentre. Ok. Là, lui, je le connais, il va prendre le truc bâtiment. Moi, je prends boule de fer. Là, il a un PK, une Tesla ou le tour de gobelin. Logiquement, moi, la Tesla, elle défend les deux, là. Donc, il faudrait prendre lui. Là, il va prendre le canon ou la voleuse. Moi, pour moi, il va prendre le canon. Ça, ça défend le canon. Moi j'ai ça, il me faut une petite bûche. Ok, et lui il a peut-être les flèches. Donc moi je vais prendre ça. Ah j'aurais pas dû prendre ça. Je pense, parce que j'ai déjà la Tesla. Ok, du coup lui il a les flèches. J'ai la boule de feu donc il peut pas me niquer avec ça. Je prends le sorcier. Lui il a les flèches donc ça sert à rien de prendre ça. Vaut mieux prendre ça. Et maintenant il a... Je crois pas qu'il a un bâtiment pour contrer le ballon. Vas-y, je vais la tenter. Là, j'ai réfléchi ou pas, le chat? Ou j'ai deux de cuit? J'ai réfléchi ou j'ai encore deux de cuit, là? Bon, ok. Ok, donc il a pris la voleuse. Ça m'arrange un peu, je peux la counter facilement. Je pense que sorcier de glace était bien joué pour ralentir son électro, mais malheureusement je vais pas mettre une... Je vais rien mettre. Lui, mais plus de dégâts. 3 de cuit. Ah ouais, non, mais les gars, j'en peux plus. J'en peux plus. Je sais pas l'erreur que j'ai fait là. Mec, pourquoi 3 de cuit? Oh ouais. Ça, ça dégage. Ouais, ça nique ma Tesla, son truc. Son truc, ça nique ma Tesla. Je pense même pas qu'il va vraiment attaquer avec son deck. Faut que je gratte. Oh ouais. Putain. Ok, regardez, il va mettre ça. Regardez le pré-shot de fou malade. Regardez bien. Il va mettre sa machine de feu. Boum, normalement je chope la tour. Même pas. Putain, mais je peux pas gagner, j'en peux plus. C'est ingagnable. Et en plus, sa voleuse, elle tape la tour, je comprends pas.
pas gagner contre son deck, je peux rien faire. Comment il fait pour me counter à chaque fois? Oh, ça me rend ouf. Je peux rien faire. Mes bâtiments, ils servent à rien. Oh. Mec, je peux rien faire. Vas-y, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Ouais, je suis yon. Quoi? Mec, casse les couilles. Gros, il m'a défoncé. Là, il m'a soulevé ma race, les gars. Il m'a défoncé. Mec, je sais pas. Faut que j'améliore quoi? Les gars, faut que j'améliore quoi? Je vais m'entraîner chez moi, là. Dites-moi ce qu'il faut que j'améliore. Faut que j'améliore. Je comprends pas. Il, à chaque fois, il a mes cartes counter. N'importe quelle carte il prend, je peux rien faire. En fait, j'essaie de comprendre mon erreur. Parce que là, est-ce que j'aurais pu gagner en vrai? Parce que ça se trouve, j'aurais pu gagner. Hein. Le placement, tu prends tes cartes trop vite. Mais pourtant, les gars, j'ai l'impression que j'ai bien choisi en fait. Joue séisme. Ton niveau. Mais oui, non, mais les gars, il y a une différence. Il y a. Il faut que je comprenne en fait. Il counter parce que t'es trop offensif. Il a tout le temps le séisme. Prends ton temps, joue ballon. Il analyse tes choix. Tu prends des cartes qui vont pas ensemble. Bon, je vais regarder des tutos. Je vais regarder des tutos, je vais demander des conseils. Je vous jure qu'à mon tournoi Clash Royale, je serai bon. De toute façon, on aura le temps de se rentraîner la semaine, début de semaine pro, avant le tournoi. Bref, des bisous tout le monde, merci à tous d'avoir été là. Ça fait plaisir, Paris-Roubaix, souhaitez-moi bonne chance. C'est après-demain, j'espère que je vais être bon. Et voilà quoi, 320 bornes de vélo. Et on se revoit lundi. Après, je me sois reposé un peu. J'espère que j'aurai réussi le défi. Je vous dirai pas si j'ai réussi ou pas, vous regarderez la vidéo. Mais...